Tu voles en quoi, Véry? A10. Ah. Ah, le bel avion. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas pris. Alors. Bien, A10. Et puis, j'ai une petite revanche avec Nexus, hier. Ah. Ah bon? Parce qu'il en a profité que j'étais pas armé pour pouvoir me tirer dessus. Je t'ai loupé. Oui. Bah, espère que je vais te louper. T'as mis une petite gazelle Mistral ou pas? Oui, monsieur. Ah, parfait. Bah, je pourrais peut-être riposter alors si je prends les Mistral. Oui. Putain, c'est vieux, faut que je m'y remette. Hein. Putain. Ah, sinon j'ai le Mirage. Je peux peut-être espérer t'avoir au Mirage, mais... Faut que je regarde un petit tuto sur comment utiliser l'armement, quoi. Tu peux pas lui foutre la paix, Sam? Laisse-la tranquille. Mais t'es chiant, laisse l'oiseau. Putain. Sam, viens ici. Laisse-la tranquille. C'est une pite couille. Bon, tu me dis quand tu es, Modé. Bah attends, j'essaye de voir si ça diffuse, là. Bah ça devrait, techniquement. Ça marche pour mon Warthog, donc ça va marcher pour le tien. Non, je parlais de... Le live? Ouais. Ah, du live, d'accord, ok. J'essaye. Fais du live ce soir, hein, Modé? Oui. Quoi? Bah, écoute, pourquoi? Bah, comme ça. Mais pourquoi? Modé! Oui. Mais oui, ok, c'est bon. Ok, on va quoi, pourquoi? Bah, alors, on va pouvoir... Mais pourquoi? Bah parce que... Mais oui. Alors, tu me disais, alors, voilà. Mais oui. Attends, okay, regarde, ta colle. Hop. Alors, juste couper mon retour. C'est atroce. Bah parce que... Bon, c'est pas bien aussi si elle arrêtait d'avancer, ma gazelle. Putain, je la mets en stationnaire, elle doit avancer à 20 km/h, là, je pense. Largement. Alors... Donc, c'est que t'es pas en stationnaire. Mais on pourtant, il m'affiche bien le stationnaire et tout. Batterie 1, batterie 2, on. Et alors, de mémoire, attends. Ensuite, donc tu refermes les capuchons. Tac. Ouais. Ensuite, le système électrique gauche a ses systèmes générateurs right and left. On et on. Voilà. Ensuite, un peu plus droite, la pompe carburant avant et arrière. Forward et left. Ok, c'est bon. On, on. Inner à côté. Inner on. Voilà, un peu plus à droite, fuel shut off, tu les montes tous les deux sur on. On, on et capuchon rabaissé. Voilà, c'est ça. Alors, un peu plus à droite, l'IFF ne fonctionne pas, donc mais tu l'allumes quand même, on sait jamais. IFF, voilà. On, capuchon rabaissé. Nav allumé. Nav on. Un peu plus à droite, le EG, c'est l'engine control. Tu les montes tous les deux, celui de gauche et celui de droite. On, on, capuchon abaissé. Derrière, maintenant. Sur, oui. Derrière ton siège. Oui. De mémoire, tu vas allumer, je me rappelle, le L140. C'est le laser, ça. Alors, il est caché où? Il est au niveau du tuyau. Oh, oh. En haut du tuyau. Ok, L140. Oui, ça y est, on. C'est bon. Un peu plus à droite, UV26. Oui. T'as opère, tu le montes en haut. Capuchon rabaissé. Je crois. Ensuite, j'ai oublié quelque chose, mais quoi? Voilà. L'INU, non? Il est où l'INU? Au-dessus du L140. Ouais, le hit, ouais, tu marques, t'allumes celui-là. Ouais, ouais. L'INU, on, hit, on. Ok. C'est cool qu'il s'est dit bruit là à côté de moi. Oh, putain, il y a un avion qui passe. Si un peu plus bas, tu as vachement important. Alimentation électrique et crâne. Un peu plus bas. En dessous de UV26 test. Un bouchon, un truc avec capuchon aussi. Ah oui. Ça c'est vachement. Il faut le monter en haut. Non, en bas. En bas? Ouais. Alors en bas. Opérationnel en bas, capuchon rabaissé. C'est ça. Et à gauche, t'as un bouton qui va t'allumer les petites lumières. Tu l'allumes aussi.
Ok, ah oh ouais, c'est beau. Noël. C'est Noël. Ouais. C'est Noël dans le cockpit. Alors tu vas arrêter. Tu sais, il y a un F-15 ici. Ah ouais, il y a un F-15. Ouais. Tu vas arrêter l'alarme qui va clignoter en face de toi qui s'appelle Main, je sais pas. Affirme. Voilà. Ah, c'est eux qui font du bruit depuis tout à l'heure. Ensuite, on va aller sur le panneau latéral gauche. Mmh. En haut. Oui. Est-ce que j'ai un zoom là-dessus? Si j'ai pas de zoom, ça va être la cata du monde. Si, sur le boat switch de la 10. Le boat switch. Le boat switch, c'est au-dessus du Chanarat. Attends, je sais que j'ai ça moi. Le bouton rouge sur la manette des gaz, de droite. Ouais, je sais bien, mais non, moi il est en mode descente et com, donc c'est pas ça. Ah, ben. Ah si, zoom, c'est au-dessus, du bouton rouge. Ouais, c'est ça. Ah, ça c'est d'accord, okay. Ok. Ensuite, donc tu vas allumer. Il est où? L'APU, tu vois en dessous, tu vois trois boutons. Oui. Sur le panneau. Ouais, tu appuies start sur start. Logiquement, il devrait démarrer, sinon j'ai dû oublier quelque chose. C'est bon, mon APU démarre. Ouais, moi aussi, il a l'air. Voilà. Ouais. Tu vois, il y a deux manettes avec des boules rouges là. Oui. Un peu plus, juste légèrement à gauche, il y a marqué APU, All Press, machin. Ouais, il a allumé. Alors, moi, il est en train de monter, mais je sais pas s'il monte vraiment. APU Start, c'est bon. Alors je crois qu'il faut déverrouiller le frein si j'aurais peut-être dû en régler mes commandes, putain de ma grand-mère. Il y a un frein rotor en dessous des deux manettes rouges. Et je l'ai descendu. Ouais, il faut le descendre en bas hein, pour libérer le frein. Tu peux éventuellement fermer la porte, ça peut servir. Oh Modé, t'aurais dû en mettre un chou quand même. De quoi? De la 10? Ouais. Pourquoi? Bah j'ai tout formaté le jeu, j'ai oublié de régler les rodeurs. Oh celui-là. Donc bon, l'APU où elle nous abîme ma cache. Ouais l'APU il a pas l'air de vouloir marcher, qu'est-ce que j'ai oublié? Les vannes de coupure de moteur, non ça c'est moteur. Attends bouge pas. Il y avait un switch en position, non, qu'il fallait pas basculer de mémoire. Attends, il me semble qu'il y avait quelque chose, mais quoi. L'APU, il a pas marché, pourquoi? C'est normal qu'il y ait des hélicos sur la base ennemie, là? Je sais pas. Mais ils sont posés, hein, ils sont pas décollés. Non, l'APU, c'est bien en position centrale, ouais. Là, on est... Ça me souvient plus non plus, ça fait trop longtemps. Attends. Ah ouais. Lui il a fait ça. Faut pas lever le fuel quantity à droite là sur le panneau. Non, tu lèves que lorsque ça commence à démarrer. Ah d'accord, ok. Attends, maintenant il faut regarder à droite. Est-ce qu'on a allumé le. Non, le switch APU. Ok, rifle. Bah voilà, faut mettre le switch APU en marche, il est où déjà? Oui, la vanne d'alimentation APU, elle est à côté des fuels. Ah bah ouais, qu'est-ce qu'on est. Shut off. Voilà. Et il faut et la monter en haut. Voilà, et maintenant on appuie et sur start. Et maintenant t'appuies sur start. Ouais, il y a le switch de. Le bouton de gauche qui s'est allumé en. Ouais, c'est bon, ça monte. Ah bon, ça marche aussi. Sous-chauffe, Marcel. Sous-chauffe. Alors, tu as un bouton qui s'appelle. Attends, c'est celui-là ou c'est pas celui-là? Je sais plus. Porte, pour la fermer. Si, logiquement. Appuie sur le. Si t'as pris le même machin que moi, tu appuies sur LG Warning. De ton throttle. Landing Gear. Ah ouais. Oh. Voilà, c'est le même machin que moi. Donc you c'est quoi, t'aimes, Red. You t'aimes. Ensuite, du coup, est-ce que je l'ai fermé la porte ou pas? Ouais, elle est fermée. Ensuite, donc, là où tu as allumé APU, oui, si tu vois, ouais. Un peu plus bas, tu as Turbo Gear en dessous, tu as ouais. Engine Left and Right. Tu vas basculer ouais. Le bouton sur la gauche pour démarrer le moteur droit. Non, gauche. Gauche, pardon, pour démarrer le moteur gauche. Ok. Justement, il faut appuyer sur Start, c'est monter le bouton sélecteur de démarrage qui est en haut. Si tu vois ce que je veux dire. Oui. Alors, est-ce que ça démarre ou pas? Ouais. Moi, j'ai un start. Tu devrais avoir l'hélice qui devrait commencer à tourner. Est-ce que c'est le cas ou pas? Affirmatif.
Bah moi pas. Comment et... ça... Ah si ça y est. Et dès qu'il fait... commence à monter, tu montes la boule rouge. En haut. Ah putain merde. Ok. C'est bon, voilà. Et ça va commencer. Et tu feras pareil pour le moteur droit quand il se sera stabilisé. Ouais si. Ouais, ça monte en puissance. Ça monte aussi. On alors, parle attends, bien évidemment du régime des moteurs. Hein. Ouais ouais. Quand ils seront démarrés tous les deux, quand ils seront démarrés tous les deux, les deux moteurs, le moteur gauche et le moteur droit, attends deux secondes. C'est ça. Donc là c'est en train de tourner, hein, d'accord. Ton moteur gauche est en train de tourner, les listes commencent à tourner, on est d'accord. Affirmatif. On va en profiter sur les boutons qui s'appellent au-dessus de la bouteille rouge, de la boule rouge, oui. Celle que tu as montée à gauche, tu as un bouton qui s'appelle système de navigation et ciblage 4400. Tu le montes, ça va allumer ton écran techniquement. Non, ça l'allume pas, pourquoi? C'est lequel? C'est celui-là qui l'a allumé lui pourtant, non? Attends deux secondes. Ouais, c'est celui-là. Hein. J'ai oublié quelque chose. Ouais, c'est un bouton qui est juste au-dessus de la boule rouge. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Tu l'as allumé. Ok, c'est bon. Donc, une fois que ça a démarré, tu vas basculer le rototo sur le moteur droit. D'accord. Pourquoi il tourne sur lui-même, mon hélico? Ah, parce que t'as les gaz. Les gaz sont inversés. Ouais, fais gaffe. Il faut pousser les gaz à fond. Ouais, moi je m'en sers comme en un hélico si tu veux. Pareil. Ah oui, d'accord, ok. Mais... Tu vois ce que je veux dire? Moi je m'en sers comme ça, c'est-à-dire je tire sur le... Je ralentis pour pouvoir accélérer. Les gaz sont... On comprend pas trop là par contre. Si, parce que quand t'es pilote, le collectif, le manche de collectif, tu tires dessus pour donner du collectif. Donc techniquement parlant, quand t'es sur ta manette des gaz, il faut que tu tires dessus pour donner du plus. Donc maintenant tu bascules en cliquant gauche sur le rotateur de gauche pour passer le turbo, le merde, l'engine sur le right. Ouais, ouais, c'est bon. J'attends que ça se stabilise à 2 et je balance le. Et tu balances l'ouverture des vannes, voilà, c'est ça. Là, c'est parti. C'est bon, la turbine a prendre des tours. Vas-y, chauffe ma mère, chauffe. Fais péter les watts. Oh, par contre, là, ça y est, c'est parti, c'est bon. Alors tu regarderas à droite. Tu as un écran, tu peux l'allumer. Alimentation, ça s'appelle l'écran Labrisse. C'est un écran rectangulaire, pas carré. C'est bon, j'ai allumé la télé. À droite, tu as X x 100 en cadran. C'est là où tu vas voir les turbines et les moteurs tournés. Oui. La température des moteurs, voilà. Si les deux aiguilles sont en haut, c'est que ça a dû démarrer. Ouais, ça monte. C'est bon. Est-ce que ton HUD est allumé? Affirmatif. Donc c'est bon. Donc une fois que les deux moteurs sont démarrés, tu vas appuyer deux fois sur Page Up. Qui va monter le régime. Voilà, c'est ça. Je m'en souviens. Une occupation de 2 minutes, hein, faut vraiment qu'il soit stabilisé. Et tu vas entendre une nana qui va te parler en russe. Watch ekran, on va te le dire en anglais. Voilà, et là du coup, ton écran va s'allumer. Ouais, c'est bon, j'ai... Le petit écran gris, d'accord ? Ouais, j'ai la télé en noir et blanc. Voilà, ça s'appelle le cheval. Ah, c'est ça, le cheval. C'est ça le cheval. Le cheval une fois, le cheval deux. Donc maintenant, on va allumer. On va éteindre l'APU. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Voilà, APU stop. Voilà. Ok, APU stop. Le bouton APU qu'on va redescendre. Je referme le capuchon. C'est ça. On va vérifier que tout est allumé. Alors juste pour ce à droite de engine control en dessous, tu as blade tip slides, c'est la lumière sur tes pales, d'accord. Le de-ice system, tu peux le mettre sur on. Attends, tu as été trop vite là. Ouais, alors en dessous de à droite sur le panneau latéral de droite. Ouais. Tu as engine control. En dessous. Engine control. Je cherche engine. Oui, ça y est. Excuse-moi. Voilà, tu descends, il y a petit bouton. Mais oui, c'est bon, je l'ai. Light, tu as light, tu laisses au 100%. Voilà, tout est bon, tout le reste a l'air d'être bon. NVG, machin, tout ça, c'est bon. Anti-beacon, tu peux le monter, ouais, si tu veux. Et qui est un peu plus à gauche, hein, j'entends. Le standby SAI on, tu le montes aussi. Ah, bah si, il faut garder mal le 10. Okay. C'est bon pour toi. Ouais.
Donc, je crois qu'on a oublié le main hydraulique. C'est ce que j'allais te dire, je viens de le voir. Il y a aussi autre chose qu'on a oublié, c'est celui-là. Extincteur marche arrêt, non, c'est pas ça. Navigateur d'incendie, non, c'est pas ça. Non, mais c'est bon. Donc, ensuite, on va allumer un truc vachement important. Le système d'éjection, non ? Alors, non, d'abord, on va allumer les armes, l'armement. Okay. Alors, c'est un bouton qui est au milieu du panneau latéral, strié noir et blanc. Strié noir et blanc. Noir et rouge, pardon, tant pour moi. Ah oui, ok. Voilà. Tu les montes en haut et tu refermes le petit capuchon rouge. Ok. Et à droite, t'as un bouton qui c'est le système d'armement que tu vas monter. Ok. On est d'accord ? On est d'accord, c'est fait. Donc. Il y a toutes les radios à côté, non ? Voilà, il y a les trois radios à monter, les trois premières AT, VHF1, Intercom, etc., etc. D'accord. Ok. Ça, c'est vachement important. Alors maintenant, c'est la partie la plus importante. Sur le panneau latéral horizontal. Droit. On va commencer par le haut. On a une centrale inertielle comme tu peux le voir. Ouais. Bon. On va passer le rotateur sur OPER, un noir, un rotateur noir. Ouais. C'est fait. Bien sûr. Tu vas passer le Inus en haut. Fait. Et le PVI Datalink en haut aussi. Ok. C'est fait. Alors on a un système qui est comme la 10, c'est le système net. Ouais. Où on va pouvoir se voir. Sur la brise. D'accord. C'est génial. Donc tu vas te mettre, tu sais, toi le leader, donc c'est toi qui vas être le commandant. Tu vas te mettre sur un petit bouton qui est juste un petit peu plus bas. Tu vas voir, il y a un truc qui s'appelle. Attends, où est-ce que c'est ? C'est celui où il y a 1, 2, 3 et après il y a off, rec et. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu vas te mettre sur com, je crois, de mémoire. Moi je vais me mettre sur wingman, donc coéquipier. Toi tu vas te mettre sur com, tu vas te mettre sur 1 et moi sur 2. Ok, c'est bon. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va allumer les quatre boutons d'aide. Comment on appelle ça ? Le pilote automatique roulis. Le pitch. Le cap. Et le tangage. D'accord ? Ouais, les trois. Ouais, tu allumeras le pilote auto en bas à droite. À la... Qu'est-ce que j'ai pu oublier de te dire ? Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Attends. Ah voilà. Sur la centrale inertielle, tu vas appuyer sur self door pour allumer la centrale inertielle pour avoir la. Ouais. On a nos coordonnées GPS. Là. Voilà, c'est ça. Bon, je sais pas, mais bon, je me rappelle plus comment on peut les rentrer. On va déjà faire ça, c'est déjà pas mal. D'accord. Okay. Ensuite, sur la brise, c'est vachement important. Tu as des boutons en bas. Option, contrôle, oui. Plan. Ouais. Tu vas appuyer sur plan. Ouais. Alors, je sais que tu peux zoomer, c'est comment ? C'est active ? Non, c'est pas ça, c'est map. Ah, voilà, tu fais active, ensuite map, et après t'as échelle plus, échelle moins. Et tu peux zoomer. Yes. Et là, tu vas me voir avec un petit bouton violet. Affirme. Voilà, c'est moi. D'accord. Voilà, ok ? Maintenant, tu vas avoir sur ton stick un truc vachement important. S'appelle comment déjà, c'est le master arm que je cherche où il est. Où est-ce que je l'ai mappé? Le master arm, il est juste derrière le stick. C'est le bouton, le premier bouton qui est juste en dessous de l'écran noir et blanc, strié blanc et noir. Ouais, oui, tu vois, master arm. Voilà, ok. Ça, c'est... Ensuite, en dessous, c'est le nombre de. De missiles que tu enverras. D'accord. Si tu envoies un par deux, si tu voilà, etc., etc. D'accord. Ça viendra plus tard. Ce qui est important à voir. Ah, tu as fait ton armement ? Non, je suis sans armement. Alors prends-en. Tu vas prendre à droite des vitres. D'accord. Allez. Alors. Et fut équipé seul. Armement. Alors sur le pot numéro 1, tu vas prendre APU 6 Vicre 6. Ouais. Sur le pareil sur le 4. Ok. Et sur le 2 et le 3, tu vas mettre des 8 com B8V, je sais plus quoi. Ça, ce sont des roquettes.
Elle s'appelle très exactement, je vais te dire. Tu vas dans Rocket, ça s'appelle. Ouais, c'est la deuxième. C'est la deuxième, c'est ça. Ça. Ok. Je crois qu'il faut que tu ouvres ta porte pour qu'il réarme, il me semble. C'est bon. Request rearming. Copy. Ah non, ils m'ont entendu. Non, mais les radios sont allumées, c'est pour ça. Peut-être. Bien, on va faire un petit tour extérieur de l'hélico pendant ce temps-là. Je suis déjà en vue extérieure. Droit devant toi, donc face à toi l'hélico. Tu as une caméra, si tu vois, ça c'est la caméra du cheval, tu vas pouvoir zoomer, d'accord ? C'est très très important. Ouais. Donc tu peux la zoomer par 7, qui est par défaut, ou 23. Rearming complete. T'as pas d'intermédiaire. Soit tu zoomes x7, soit x23. D'accord, là on veut. Alors x23, c'est quand tu as une portée de 9 km, 8 km. Après, okay. En dessous, tu peux passer en 7. D'accord. Ça, logiquement, tu l'as mappé, il n'y a pas de souci. En dessous, au-dessus, tu as une petite girouette qui va t'indiquer le vent, que tu vois pas encore, mais qui va tourner en fur et à mesure. Sur le côté latéral gauche, tu as une mitrailleuse sous le moteur qui est ultra destructrice, qui fait très 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 mal, qui suffit largement pour détruire des camions d'essence, des gîtes, ce genre de choses. Okay. Ça fait très très mal. Ensuite, sur le côté latéral, à côté des vitres noires, c'est les missiles. Oui. Carrément sur le côté extérieur, tu as les chaffes. Ah oui, ok. Des espèces de petites grilles là. C'est ça, une grille qui va sortir où là vont sortir tous les systèmes chaffes et compagnie. Voilà. Grosso modo, on a fait un petit peu le tour. Ok. Voilà, le BB est ultra blindé, il y a tout ce qu'il faut techniquement. Qu'est-ce que j'ai oublié de te dire ? On va passer maintenant à la partie la plus importante. C'est la partie face à toi tout en haut. Oui. Alors, tu as éventuellement les deux pitoïdes à monter. Ça n'a pas d'intérêt. Le rotor anti-ice, ça c'est quand tu as vraiment des températures négatives. D'accord. T'as une autre chose qui est très importante quand tu atterris par exemple près d'une plage ou sur le sable, c'est le toast. Ouais, ça va fermer automatiquement les vannes, ça va mettre des filtres sur les entrées moteurs. Par contre, ça va te ralentir énormément vu qu'il y a moins d'oxygène qui va rentrer dans les moteurs, donc tu vas avoir une perte de puissance automatique. Ça c'est logique. Mais par contre, ça va empêcher toute la saloperie, l'herbe, la terre, le sable de rentrer dans les moteurs. D'accord. Ok. Alors, la partie gauche. Est-ce que c'est vraiment important que tu... Ça, c'est une des choses les plus importantes. La partie gauche, c'est... on peut s'envoyer des informations, comme on peut le faire avec la 10. D'accord. C'est-à-dire, je reçois en haut, tout en haut. À gauche, on a une espèce de... Je sais pas comment on peut appeler ça, le numéro 1. Ouais, une espèce de losange. Ouais, c'est ça. Après, t'as un espèce de maison et un carré. Alors, ça représente à la fois un bâtiment fixe, des véhicules mobiles, etc., des chars et tout. Mais il y a beaucoup plus simple que ce système-là. Ensuite, tu as 1, 2, 3, 4. Ce sont le nom de tes ailiers, d'accord ? D'accord, par exemple, ok. Tu peux l'envoyer aux deux ou à tout le monde avec DL. DL, c'est download to all. Ça veut dire que tu vas envoyer la cible à tout le monde. Tout le monde va le recevoir, d'accord ? Et pourra diriger le cheval dessus. D'accord. Ensuite, tu as clear, ça c'est pour annuler les enregistrements que tu as fait. Send, c'est pour l'envoyer, donc automatiquement à tout le monde ou à ceux que tu as décidé au coéquipier 1 ou 2 ou 3 ou 4. Et à partir de là, tu peux envoyer des informations. Voilà. Mais tu peux aussi, grâce à l'aide du cheval, l'écran noir et blanc, sélectionner une cible, l'enregistrer et l'envoyer à quelqu'un. T'es pas obligé de dire que c'est une maison ou un bâtiment ou une ship ou un... Voilà, tu l'enregistres, le gars va la recevoir automatiquement en l'envoyant par scène, d'accord ? D'accord. Donc là, le gars va recevoir l'information, saura où se trouve l'ennemi et pourra automatiquement tirer et shooter, d'accord ? Mm-hmm. Je suis clair ou pas ? Nickel. Bon. La partie à droite. Alors, la partie à droite, les boutons bleus et verts et rouges. Ouais. Ça, c'est tout la partie shaft et chaff et machin. Les flares. Les flares, voilà. Alors, tu as le nombre que tu vas lâcher, le nombre de séquences et combien de fois. D'accord. C'est-à-dire que tu vas envoyer toutes les 4 secondes 20 flares, 5 flares. Et lui, automatiquement, va répéter la séquence, combien de séquences que tu veux.
etc., etc., etc. Il va t'envoyer 5, par exemple, si tu l'as choisi, 5 flares toutes les secondes, fois 5 séquences. Après, il arrêtera, et ainsi de suite. D'accord. Donc ça, tu peux le paramétrer aussi. Une chose qui est importante qu'on va faire, tu vas appuyer sur le channel, le bouton le principal. Hein, que, non, non, sur ton stick. Oui. Tu as l'armement, quand tu fais F2, tu as un armement interne et externe. Ouais. L'armement externe, c'est là où tu as les tubes noirs qui sont les vitres. D'accord. Quand tu vas sélectionner les vitres, tu vas appuyer sur le bouton blanc du ton stick, tu vas le mettre sur la droite. Il est mappé comme ça, hein, chez moi, il sera mappé chez toi. Ah oui, ok. Et automatiquement, je sais pas si tu as vu, tu vas passer directement en dessous du cheval, tu vas avoir les vitres et le nombre que tu as, 24, d'accord? Oui, ok. Voilà. Si tu passes, si tu mets le petit bouton, le même bouton sur la gauche, tu vas passer sur les imports internes et là tu passeras en mode roquette. Ok. Et là pareil, t'as 12 roquettes et t'as combien de vitres? Ah, par contre il me marque pas la quantité. Si en bas en dessous, juste en dessous de l'écran gris. Bah ouais, je vois bien le déplacement du. En plus tu vois bien les boutons qui passent vers ouais, sur les ailes. Ça ouais, mais les quantités il me les marque pas. Remain 40. Non, Remain il est pas allumé pour moi. Ah ah, t'aurais oublié quelque chose? Le Master Arm, tu l'as allumé? Ouais. Donc, est-ce que tu as oublié quelque chose? Non, je vois pas. Non, je vois pas ce que tu aurais pu éventuellement allumer. Non, pourtant, tu as bien Store, Remain, Round. T'en as bien. Round, j'ai le 24 qui est allumé, mais les deux autres, le Store et Remain, ils sont pas allumés. Ah, c'est bizarre ça. Et j'ai mon hélico qui tourne sur lui-même. Bah baisse les gaz, baisse carrément. Bah je suis baissé à fond. Mets les gaz à fond, moi il bouge pas le mien. Attends, t'es sur le même emplacement que moi? Watch and ground. Le même aéroport que moi? Oui. Alors je vais essayer de te tuer. Ok. Ah mais je crois que c'était à cause du trim automatique là. Ah peut-être. Ouais. Ah ouais. Celui-là je viens de le réinitialiser. Et ça marche? Et il tourne plus. Alors attends, j'ai oublié quelque chose, c'est quoi? Alors, F12. Non, j'ai oublié quelque chose, c'est quoi? Directeur de vol, c'est pas ça, non. Bouton verrouillé, si peu non plus, dégager. Ah voilà. Donc sur ton CMS, le bouton au niveau du pouce que tu as à gauche, d'accord? Oui. Tu as. Attends, tu as. Désigne, voilà. Tu vas appuyer, si tu vas faire un CMS avant droit court, et logiquement ton écran va se. Tu devrais voir ce qui se passe à l'extérieur. Tu devrais avoir un visuel extérieur sur ton écran noir et blanc. Ah, tu vois le petit joystick qui est rond avec des petits rebords gris sur ton stick. Au niveau du pouce. Oui. Tu l'appuies légèrement en avant et logiquement tu devrais voir tu devrais avoir l'écran avec la vue, ce qui se passe à l'extérieur. Oui. Voilà, c'est ça. Maintenant que j'avais mis le slou, je l'avais mis où le slou? Ah ouais. Le slou il est sur le coulis. C'est ça. Donc en bougeant le slou, tu vas le monter, tu vas pouvoir voir tout ce qui s'y passe. D'accord. D'accord, une fois que tu seras. Mais la première chose qu'il va falloir faire, c'est pouvoir monter. Parce que ce qui va se passer, c'est quand tu vas mettre les gaz. Il va partir le cul en arrière. Oui. Il va falloir que tu puisses le contrôler. Une fois que tu l'auras stabilisé, on va pouvoir décoller et voler un peu. Tu remarqueras sur ton HUD, tu as un rond en face, quasiment en face, un rond vert. Oui. Ça c'est le slou. Quand tu le bouges, il se déplace. Et c'est le même principe que sur la 10. D'accord. Ok.
Donc il suffit que tu vises particulièrement sur un endroit et avec le zoom tu pourras voir directement ce qui se passe dessus. Donc, est-ce qu'il y a autre chose que je peux faire? T'expliquer. Bon, écoute, tout de suite là maintenant, c'est bon. Sûr? Okay. Bah écoute, ouais, pour le moment. Je ouais. cherche les trims, où est-ce que je les ai mis? Alors le trim il est sur le D, le TMS gauche. Ouais. On va vérifier. Attends, je vérifie si c'est ça. Non, c'est pas ça. Et non, il y a le Master Arm vers le bas, le Visor Cast vers le haut. Ici, pourtant, c'est le compensateur trim, c'est ça. Ah non, c'est ça, c'est TD, c'est DT, c'est TMS gauche, ouais, c'est ça. Oh, j'ai trouvé la lumière du cockpit, ok. Il est beau, hein, tout éclairé. C'est chouli. Donc une fois que tu as réussi avec le DTS TMS à le stabiliser, alors un TMS gauche, hein, c'est le bouton avec les petites striures noires, on est d'accord, en dessous du Release Weapon. Ouais. Une fois que tu l'as stabilisé et que tu as mis les trims, il ne devrait plus bouger, rester à l'horizontale. Je vais essayer de me lancer en stationnaire. En stationnaire. Attends, je fais une pause, je reviens de suite. Hein. Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Ah, il faut... Déjà ? Ah bah ouais. Moi ça me perturbe la manette des gaz inversés comme ça. Au pire tu la remodifies vite fait hein. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus long. J'espère que t'es pas sur l'aéroport, mais plus. T'as cru que je restais vers toi hein. Ah non mais c'est pas ça. Non. Oh là 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 là. Ah ouais, faut vraiment que j'inverse le. Ouais, ah ouais. Je vais casser le coup de terre. Bon, bah ça c'est fait. Tu vas casser le coup de terre. Ouais, je pense que... Merde, je crois que j'ai dépassé l'aéroport en fait, déjà. Modifier les commandes. Oh, mais je vais pas t'abonner tout de suite, hein. Tu peux venir. Hein. Non, non, mais je vais me poser pour ravitailler là en fait. J'ai déjà pété 4 camions là. J'ai utilisé mes 4 missiles donc. Poser. D'accord. C'est quoi l'aéroport là-bas? On l'a la station nous sur le A10? Oh ouais, vu comme il danse, l'hélico il est pété. par contre, c'est clair que l'intérieur éclairé est vachement sympa en fait hein, ouais, sur le ouais. KS. Ouais. Regarde sur ton stream là, c'est pas mal. Bon, putain mon palonnier. Attends parce que j'ai un petit souci, le palonnier il est pas. Le palonnier quoi? C'est le rudder il marche pas? Non. Ah ah. Bon, je tire ça dessus. Bing! Si moi je suis bon, il marche très bien. Bing! Je suis bon pour refaire un ramstart, hein. Je te l'avoue. Ah bah ça tombe bien. Ça tombe bien. Alors toi qui adore les ramstarts. Ouais, on va dire ça comme ça. T'as réussi à toucher des trucs, Viridis? Ah! T'as touché des cibles? Deux camions avec le même. Ah bah parfait. Ah bah voilà, nickel. T'es sur la base, c'est ça toi? Je suis en train de me rapprocher de la base là pour ravitailler, ouais. Ok, bah tu me diras quand t'es posé parce que. Ah ok, mais en fait c'est pas un vrai aéroport, c'est juste un truc où on peut se poser. Je suis il me semble que j'ai de la... il me semble que j'ai de la CBU 97. Il me semble t'avoir mis de la CBU 97, oui. C'est ouais. Quoi la CBU 97? T'inquiète, tu vas voir. C'est voir ça. Ça la, remise, je... la remise à zéro du trim. Alors la remise à zéro du trim. Un atterrissage. Je m'en rappelle plus pour le coup de chaîne. J'ai une question de com. On va regarder. Bon, j'essaye tous les boutons. Ah, on fait pas ça sinon tu vas faire des bêtises. Bah, de toute façon, l'hélico est déjà pété donc. Ah, d'accord, ok. Ouais, bon, bah, comme ça, c'est sûr. Ah, trim neutre. Le trim neutre, c'est le bouton qui est à gauche. Pardon, le. Ah, le bouton rouge là.
le bouton. Sur la manette des gaz. Ouais, okay. Voilà, c'est ça. Eh mais on va même se réussir à se poser propre là, c'est parfait ça. Okay. Tu vas là-haut. On t'a pas demandé d'aller te coucher, toi, mieux d'aller là-haut là. Alors tant que celui-là il est pété, je vais essayer tout de suite. Ça marche. J'ai renversé ma commande de gaz aussi parce que ça m'a perturbé. Ah ouais, d'accord, ok, ça oui, le fait est, je peux comprendre. Et c'est le loulou coupé. Ah, il folle. Et il est posé. Il est tout cassé, mon hélico. Ah, j'ai vu. Ouais. Et il est où le rifle que je vois? Je suis en train de regarder là aussi. Ah, il a mal envoyé un Maverick. Ah ouais, il a fait quelques dégâts déjà. Ouais, bah il y en a, c'est moi aussi. Hein. C'est pas possible, c'est pas le même hélico. Il est à l'autre bout, l'hélico. T'as pas pu faire tout ce trajet. Si, je t'assure. Hein. C'est là-dessus, moi, que je vais taper. Hein. Ah oui, tape sur un camion, là. Ah, même pas un bâtiment. Même pas un bâtiment, espèce de noob. Ah, c'est clair. Bah oui. Alors, le hélicoptère K50. Allez, tout neuf. Moi, j'en ai l'hélicoptère tout neuf. Ouais, je crois que je peux pas réarmer en fait depuis où j'ai décollé. Hein. Que les mecs ils me disent pas copier donc. Dire non. Je peux aller réarmer où en fait? Du coup, parce que. Je sais pas, sur la base peut-être. Techniquement, tu dois pouvoir hein, sur un truc comme ça. Hein. Y a pas de raison. Hein. Bah, là où je suis, j'ai décollé d'ici, hein, de là où je suis, et non, il veut pas. En fait. Il me répond pas en fait, le mec. Il s'en fout. Oh putain de trim. Ouais, c'est faut se refaire en trim. Hein. Ah, c'est particulièrement chiadé. Hein. Ouais non bah je vais en sélectionner un autre hein, je peux pas. Ouais tu t'en sélectionnes un autre et puis c'est tout. Ouais. Je vais me prendre une L. Ah il y a aussi plein de choses que je t'ai pas expliqué là-dessus. Qui est notamment le système auto-turn. C'est-à-dire que ton hélico va tourner là où tu cibles. Mais non mais c'est. C'est quoi cet hélico? C'est excellent. Folie. Et une fois que tu as sélectionné une cible puis que tu l'as enregistré, tu appuies sur auto-turn et l'hélico va se tourner dans la direction où tu as ciblé. C'est bon ça. Ça c'est vraiment trop fort par contre. Hein. Ah c'est Roscoff. Hein. Ah est-ce que je suis bien ou pas là? Non j'avance. On va rentrer ce putain de train déjà, il y a du temps. Voilà. Il faut que je m'habitue au mapping aussi. Ah ouais, il y a ça, hein. C'est normal, que je comprends que tu es, que ça soit pas non plus. Alors, on va prendre encore extérieur, voilà, ça c'est les vitres. Chloup. Alors, l'auto-turn il est sélectionné où déjà? Hop. Et voilà, et mon hélico se tourne automatiquement là où j'ai ciblé. C'est une voiture ici, ça c'est génial. Ok, donc moteur 1, lancer stabilisé. Alors, toc, on va cacher, dégager. Alors, cacher, toc.
T'as aussi un viseur casque qui est génial. Ouais, ça j'ai trouvé. C'est là où tu regardes, il va viser. C'est bon ça. Ah, mais c'est... c'est vraiment un hélico impressionnant. Et il est où le bouton pour le café? Je sais pas. Non, pas encore. T'as le frigo sur la droite. Ouais. Avec quelques bibines. C'est tout. Ah, c'est celui-là, mais il est là, c'est super. Celui-là. Ah, c'est ça. Hop. Ah, je me rappelle plus la porte déjà. La porte c'est LG Warning. C'est ah oui, le landing gear. Okay. Viridis. Quel oui. Les morceaux sont où, tu me visais moi là non? non, loin de cette idée. Je pense que je me trompe pas là. Bon ça va, t'as fait comme moi hier, tu m'as loupé. Ah vous aurez peut-être pu couper en appuyant là. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, l'autonomie. Voilà. Attention les gars, ça va faire mal. Vous êtes prêts à appuyer sur F6? Oui. Ouais, bah. Pop. Tu nous préviens quand hein? Ouais, bah, c'est un peu plof. Il a pas voulu tirer, pourquoi? Il est bien sur TA, il est bien le Master A, j'ai bien choisi les vitres. Putain, il est où le piège à con? Il est où toi pour tirer? Je suis dessus là pourtant. Ah, c'est bon. Hop. Ah, il est d'accord, je suis dessus. Bah alors? J'ai oublié quoi? Ah, si, t'as un mode descente aussi qui est bien. Quand tu veux descendre tout doucement. Très très bien. Et moi qui ai trouvé ça déjà super, qui est un pilote automatique sur la gazelle. Ah puis t'as 4 pilotes automatiques sur le K50. Altitude, assiette, cap et inclinaison. Inclinaison? Ouais. Ah ouais. C'est utile ça ou pas? Ah je veux mon jeu. Slow, team speed, team loot, beacon, nav. Tiens, j'ai oublié quoi, le... activer le canon. Ah bah tiens, on va activer le canon, on va voir ce que ça donne. Ah, il est puissant le canon, je me suis pris un seul obus voilà, et ça a descendu ma gazelle. Ça y est, oh putain, ouais, le premier coup. Voilà. Moi j'ai dit, si tu veux, je suis un bon propriétaire parce que K50 il est en route. Hein. Tu veux quoi? T'as dit quoi, Nexu? Tu me chopes au radar ou pas? Request rearming. Je ne sais quoi. Copy. Je suis pas mal là. Ah, encore. Moi je peux toujours essayer de t'aligner mais Pourquoi tu sors le train? Tu vas te poser? Non c'est parce que j'ai l'information qui me dit que je me rapproche. Quand t'arrives à 10 pieds du sol, t'as l'ordinateur qui te dit landing gear. Ouais c'est pas possible. Pour qu'ils te disent de sortir le train, voilà. Putain mais le truc il te dit tout quoi en fait. Ça le fait mal la mitrailleuse là-dessus, putain. Alors, on va remettre sur le vitre, on va enlever l'actif canon. Et bah vous allez attendre. Voilà. Pourquoi j'arrive pas à tirer ça qui m'énerve? Les weapons, ouais, c'est bon. Cheval pour zoomer. Voilà, c'est ça. Voilà, hop. Voilà, on est bien. P
putain, j'ai oublié quoi, Vérone? Ah, j'ai oublié d'allumer le laser, quel con. Voilà pourquoi ça marche pas. Et tu peux faire du guidage par exemple sur un mirage guidage GPU avec ton K? Non. Attends. C'est dommage. Ah, yeah, c'est parti. F6 les gars, F6. Splash. Wow. On va le capter. Pas mal. J'ai même pas vu. J'avais oublié de te dire d'allumer le laser. Alors le laser il se trouve à côté de la boule rouge. Les deux boules rouges légèrement plus haut. Ça s'appelle laser attente arrêt, juste en dessous de d'un truc qui s'appelle reset. Je te montrerai tout à l'heure. Je vais essayer de me caler à côté de toi en station déjà. Alors déjà je vais. Il faut que tu allumes aussi l'auto-turn, hein. Vachement important. L'auto-turn, tu l'allumes où ça? À gauche, alors au-dessus des boules rouges, pareil, sur un des boutons pas qui se clique ou sur lesquels on appuie. Ah ok, d'accord. Et t'as aussi virage auto, enfin bref, il y a plein de choses. Alors on va aller tabler sur quelque chose de plus violent. Hop. Et niveau autonomie, le K50 il est pas mal? Ouais ouais, par contre il aime pas les montagnes. Ok. Merde, tu t'es déjà dépassé? Non mais je me tourne en fonction de là où je suis. D'accord. Par contre j'ai zoomé trop important. On va dézoomer un peu. Hop, voilà. Moi j'essaie déjà de stabiliser. Ah, un beau camion là, tiens, je vais me le faire sûr. Alors, tu m'as dit. Voilà. Loulouser. Ah oui, auto-turn, ok. Allez, Rose Plage, c'est parti, attention. C'est parti. Bon, on s'en fout, système machin. Quel? Allez, on J'aurais eu la gazelle Mistral, comment j'aurais pu t'aligner là, mon petit Viridis? Ah ouais? Ah là, ça aurait fait mal. Hein. Ouais. Là, t'es resté. J'étais dans T6 pendant au moins 5 secondes, quoi. Largement le temps de tirer. Ah, il était déjà allumé par défaut, moi, le laser. Bizarrement. Non, non, il est pas, c'est pas normal ça. C'est un bouton qui est en dessous de Canyon, je sais pas si tu vois. Laser ouais, attend. C'est ça, ouais. Il est à gauche du bouton reset. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah il était déjà en haut. Ouais, mais ça serait normal. Et le bouton Move Ground Target, ou RR, tu les utilises pas? Move Ground Target, c'est où ça? C'est juste. C'est, ça fait partie des switches qui sont à côté de l'auto-turn. T'as RR, cible aérienne, cible mobile au sol. C'est ça, ouais. Alors, c'est, tu peux tirer sur des cibles qui roulent. Donc d'accord. Là, il va automatiquement adopter le laser en fonction de. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Donc, comme le TGP de la DISA. Pareil, même principe. D'accord. Allez, on va tirer. Alors, une fois que tu as sélectionné, c'est vachement important, le bouton KG et DKG. Tu as une espèce de petite cage, c'est un rectangle qui est sur ton écran, de gris, noir et gris. Qu'on appelle une cage, c'est des petits traits qui forment un rectangle. Ouais. Tu peux le faire plus petit ou plus grand. Plus grand, tu vas taper sur par exemple, si tu as 5-6 camions, tu vas taper sur un, ça va faire exploser des 5-6. Ou sinon, tu vas réduire cette cage pour taper sur un seul truc particulier. Ouais. Par exemple, sur un char qui est face à toi, tu vas réduire la taille de la cage de façon à rendre le tir beaucoup plus précis. Ou tu l'agrandis pour le rendre moins précis, mais là tu veux faire du tirage boum boum, tu veux faire mal et tu veux détruire tout ce qui est autour. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc ça s'appelle KG et DKG. Une fois que tu as bien KG, que tu es bien sur ta cible, tu allumes le laser, d'accord? Et tu. Comment on appelle ça? Tu verrouilles ta cible. Alors pour verrouiller la cible, c'est le bouton gris qui a sur ton stick le dernier tout en bas. D'accord. Alors j'ai dû oublier un truc parce que je me suis armé, mais je fous le master arm sur on et puis je peux même plus cycler mon armement quoi. Ça s'allume même pas. Je rate. On va refaire les batteries, ça c'est fait. T'as démarré les moteurs ou pas?
Ah bah je suis en vol là. Et t'es en vol et t'as oublié quoi? Ah si, peut-être les 4 boutons bleus qui sont sur la droite. Le pilote auto, assiette... Non, c'est bon. Non, non, mais c'est pour l'armement que je te parle. Alors, l'armement, le master arm, tu l'as allumé? Ouais. Ok, donc techniquement, ça devrait être bon. Sur le panneau avec... de droite, il n'y avait pas un switch Si, attends... IFF, non, ça c'est bon. Ah si, les trucs noirs et rouges. Ouais, si, ils sont tu les as allumés tous les trois? Ouais. Voilà, c'est ah, bon. C'est bon, j'ai trouvé, je crois. Ok, d'accord. Ouais. Le bouton qui est à côté. C'est ça. Allez, shoot. Shoot again. C'est parti. Attention. Par contre... Et splash. Voilà. Putain. C'est mal, ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas bon. C'est parti. F6. Et voilà, bim sur les camions. Super. Bon, c'est bon. Je me tuerai plus de plein de trucs, c'est super ça. Ouais, alors ça s'allume, mais par contre, je peux pas sélectionner mes emplois. T'as mis des armes dessus ou moins? Bah ouais, je l'ai armé mon petit. Non mais est-ce que t'as mis des armes sous les ailes? Oui. Je sais pas, je pose la question, c'est déjà arrivé. Ah ouais, bah ouais. Master arm, machin, est-ce qu'avec les emports, c'est avec le bouton le plus gros là, le chapeau chinois gris en haut sur le stick, t'as mis emport extérieur? Ah oui, non, ça, c'est bon, j'étais pas sur le bon bouton. Voilà. J'étais pas sur le bon bouton, je suis un nouveau. Donc, une fois que tu es sur ton écran principal gris, une fois que tu as ciblé quelque chose à l'aide du slou, ouais. C'est bon, hein, j'en ai marre. T'as appuyé sur auto-turn, c'est bon? Ouais. Donc, tu vas cibler quelque chose, tu l'as aussi sur ton on, hein, d'accord? Donc, logiquement, il devrait tourner là où tu vises, on est d'accord? On est d'accord. En même temps, tu remarqueras sur la brise, l'écran de droite en couleur. Oui. Il y a un trait jaune. Affirmatif. C'est là où tu vises. Ok. D'accord. C'est là où tu vises. Tu peux, au même principe que la 10, viser directement sur la carte comme sur le TAD. Donc une fois que tu as sélectionné une cible, n'importe laquelle, on s'en fout, à l'aide du bouton, attends, c'est DMS, TMS, CMS, haut ou bas, tu vas réduire l'espace de la petite cage de façon à améliorer la sensibilité et la précision de ton tir. D'accord. Et le zoom, il est sur le gros bouton du stick en haut, au bas. Hop. Ah aussi. Yes. Au bas, ok. Ouais. Voilà. Et gauche droite, c'est les emports internes ou externes. Putain, c'est une idée ou ça la gamer? Ouais, j'ai un freeze. Ah, c'est plus qu'un freeze là. Ouais, ça y est, c'est revenu. C'est qui a tiré? Pas moi. Pas moi, moi je viens de rentrer dans mon avion. Là. Ah bah c'est ça. C'est pas ah ça. Le sang, tue-le le petit là. C'est quand même assez violent là. C'est pas un problème, je suis pas en stream. C'est gore chez toi, Viri. Vous n'avez rien entendu. Ouvre la fenêtre, je sais pas, fais quelque chose. Alors, je vais regarder où c'est qu'il y a des méchants. Hein, parce que pour l'instant, tu trouves un camion, n'importe quoi, un truc, ça, c'est vraiment. Pourquoi ils font quoi eux? C'est eux qui le font piner tout le temps, le petit. Ce qui manque. Hein? Ah, y a du trafic civil. Ouais, mais tu tires sur les camions qu'il y a sur l'aéroport, il y en a plein. Ouais. C'est pas ce qui manque. Hein. Okay. Ça peut se faire. Donc une fois que tu as, à l'aide du slou, sélectionné ta cible, tu vas réduire cette espèce de cage avec tes CMS haut ou bas, d'accord? Donc tu vas cager ou décager. Tu vas réduire... Si tu peux en malone, je t'attrape, je t'en mets une. C'est bon pour toi ou pas? Ouais, attends. Je m'en mets en stationnaire. Ok.
Et puis après, je vais faire mes recherches sur l'aéroport. Donc fais ta recherche tranquille. Surtout, oublie pas l'auto-turn. Ouais, de façon à faire tourner ton hélico. Tu peux le faire. Tu peux très bien le faire. Modé, t'es pas en alignement sur la piste avec le camion là. Non. Ok. Non, parce que j'ai laissé une CBU 97, donc pour éviter que tu te prennes dessus quoi. Ah ouais. C'est vrai, mieux, c'est vrai. C'est vrai que c'est sympa. On n'est pas sur le même aéroport, donc on est tranquille. Je crois qu'on n'est pas très loin de toi. Hein. Enfin, je crois. Krimsk. Ouais, normalement, je pense que ça devrait pas t'atteindre quand même. Galenzik, ouais, non, c'est bon. Il doit y avoir 50 nautiques contre les nôtres, ça devrait le faire. Ouais, je pense que ça devrait aller. Ah, vous connaissez pas Viridis, il est capable, hein. Ouais, c'est vrai. Ah, moi, il se trompe. Il s'est trompé comme ça. Hop. Alors. Donc, dès que t'as une clip, tu fais comment pour la verrouiller? Alors, d'abord, tu l'as cagé, tu l'as réduit l'espace de la cage. Ouais. De façon à avoir un diapré précis. Une fois que c'est fait, tu appuies sur le bouton verrouillage de cible. Sur le stick, le dernier bouton gris tout en bas, au niveau du petit doigt. Ah oui, j'ai un TA qui vient d'apparaître. Voilà. Donc là, le TA, c'est du cyrillique, ça veut dire que c'est verrouillé que t'es dessus. D'accord. Donc, maintenant, tu vas regarder sur ton HUD. T'as un gros rond et un petit rond. Affirme. Tu vas mettre le gros rond dans le petit rond. Ouais. Le fil rouge sur le bouton rouge. Et une fois que c'est fait, t'appuies sur la gâchette de tir. Hein. Pas le release weapon, la gâchette de tir. C'est bizarre, là, vous pouvez que tu mets le gros rond dans le petit rond. Et le fil vert sur le bouton vert. Et boum! T'as tiré? Bah ça porte pas. Bon, c'est pas possible. Ah. T'as allumé le laser? Affirmatif, chef. Ah non, il s'est défait. Ah tu vois, je m'en doutais. Il s'est défait. Oh le petit coquin. Ah le vilain. Ah le coquinou. Ah bah tu le dis quand tu tires, modé, je fais F6. Hein. Il part pas plus, alors t'inquiète, hein, t'es pas en danger pour le moment. Tu as le TA, donc tu as comme quoi t'es verrouillé, ok. Ouais. T'es en stationnaire. Ouais. Master arm, auto turn, laser. Tout, le grand rond dans le petit rond. Le grand rond dans le petit avec rond. Le petit rond, une fois que tu tires avec la gâchette, hein, la gâchette rouge du stick. Hein. Ouais. Pas avec le release weapon. Hein. C'est pas possible. T'as sélectionné les emports externes? Affirmatif. Bon, alors t'as oublié un truc. Est-ce que sur le panneau latéral de droite, tu as allumé le en dessous de la PU là, le bouton qui est à côté du cache noir et rouge? Oui, affirmatif. C'est bon. Donc je vois vraiment pas ce qui merdoit très sincèrement, mon ami. Bah je sais bien. Non, je vois vraiment pas. Méchant avec moi. Ouais, pas cool, je te l'accorde. Pas cool. Non, bah avec moi ça marche, donc je sais pas. Ouais, comme par hasard. Oh, lui. Tu as zoomé suffisamment? T'es trop loin. Bah non, je suis zoomé au max. Là, je vais essayer de... J'ai appuyé sur le mauvais bouton, chef. Ouais, bon, à mon avis, t'as merdé quelque part, hein, ça c'est sûr. Non, non, mais en cherchant l'erreur, j'en ai fait une encore plus grossière, c'est que j'ai réinitialisé le trim. Ouais, ça c'est bêta, hein. Alors, car à 50, quand tu fais ça, bah, il se fout sur le cul. Hein. Ah. Bah, moi, je te montre que ça marche, hein. Attends, qu'est-ce que j'ai là-bas? Tiens, un camion là-bas, hop. On va, hop. Modé. Oui, c'est moi. Mais non, mais t'inquiète, lui il s'est streamé une fois quand il a tiré avec et il repasse à chaque fois. En fait. Il avait enregistré son tir. Il a fait. Ah merde. Ça marche pas. Voilà. Je fais des bêtises. Je suis bête. Faut que je mette le son parce que je t'entends si ça part ou pas, c'est ça. Alors là, je l'ai cagé, mais j'ai pas le TA. Tu verrouilles avec le petit bouton en bas à droite du stick, pied droit. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Là, il marque. Tu dois avoir le TA. Nautique 9. Ouais, donc t'es bien. T'es pile poil au milieu de la. Voilà.
mais j'ai pas TA. Pourquoi j'ai pas TA? Parce que j'ai pas aligné? Non, justement, ça doit être bon. Pourquoi t'as pas TA? C'est une bonne question. Ça. Ah, il est parti! Il est parti! Ah. Il est parti! Ouais, yes! Parti. Il est parti! Ouais, je le vois! Moi, ouais, je le vois! Oui, ça va faire miche! Ouais, je sais pas si ça va faire mouche. Toi aussi, mais. Ça y va, aussi, ça y va. Ah, joué. Ouais, c'est bon! Il m'a fait cadeau! Donc voilà, ah, t'as capté! Ah, regarde! Regarde, je crois que si t'es encore sur FC, je crois qu'il y en a un qui arrive, un autre. Attends, je viens de faire un F6, mais là, le PC il supporte pas. Ouais, moi je joue au-dessus. Ah ouais, là il a envoyé ça, c'est. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Mais... C'est quoi, il y avait putain de parachute dessus, non? Ah, c'est ouais, une CBU, c'est une bombe à sous-munitions qu'il a envoyé. Ouais, tout ça pour détruire un camion. Ouais, c'est clair, tu vas à l'économie, toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, si tu préfères, c'est comme un feu d'artifice. C'est-à-dire, t'as une bombe qui lâche plein de petites bombes, qui lâche plein de petites munitions. Mais c'est excellent, ça. Et à la fin, qui fait un gros boom. Et c'est autorisé, ça À l'heure actuelle ou pas? Alors ça, c'est des bombes à sous-munitions que, en règle générale, tu utilises pour dégager de l'infanterie. Parce que tu ouais, peux ouais. voir que le balayage, il est quand même relativement large. Oui, je pense que les mecs, ils partent une fois qu'ils... Ah, c'est énorme. Bah non, ils partent plus, hein, ils sont couchés. Oui, enfin, oui, du coup, oui. Bah, après, ils bougent plus. Bon, je suis content, j'ai perdu, mais pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Je me suis mis sur Wingman. 2, 1. Parce que là encore, j'ai pas dû donner le plus. Les rifles. Tu vas voir? Et puis. Non. Ouais, bon, bien joué. Le boss, monsieur. T'as vu comment il tourne le vicre? Quand ouais. tu zoomes sur ouais, le vicre, ouais. t'as vu comment il tourne? Mortel. Ah, ça fait très très mal ça. Splash, bien joué. Ouais. En vrai, le boss. Ah ouais, ouais. Bye. T'es fort, modé. Il y a bien. Ah non, j'ai eu un bon professeur. Ah ouais? Ah ouais. Non, dis-moi Tic, c'est pas vrai. Ah si. Je t'explique une dernière chose sur le KA-50. En haut à gauche, tu as 4 boutons rouges avec un bouton reset. Oui. Alors, ça c'est vachement important. Le bouton rouge du haut, ça veut dire que quelqu'un te tire au-dessus de toi. D'accord. Par rapport au niveau. Celui du bas, c'est qu'il est en dessous de toi, à droite, il est à ta droite. Ah, le missile va venir de ta droite et à gauche, le missile va venir de ta gauche. Ok, c'est le RWR. C'est le ouais c'est ça le radar du okay. Mais ça t'annonce dès que t'es ça t'annonce pas dès que ça tire ça t'annonce dès que t'es verrouillé d'accord et tu le sais de suite hein. c'est très voilà qu'est-ce que j'ai oublié de te dire les séquences mais ça on verra ça un autre jour ça devient un peu trop compliqué. Et après le plus important mais il faudrait qu'on le voie c'est un de ces quatre aussi c'est le partage d'informations Ouais, le... possible. Ouais. Mais pour ce faire, il faudra que je me le remémore moi-même, parce que j'avoue que je sais pas. Ouais. Et là, on peut se faire un réel partage de... machin. Juste une chose, au-dessus des aides pilotage, oui. Les boutons bleus, t'as un bouton, un rototo qui fait off, rec, wingman et com. T'es sur quoi? T'es bien sur commandant? Affirme. Et moi, je suis sur wingman. T'es au niveau, t'es sur le 1, le 2, je le 3, suis sur 4. Le 1. Bah alors vers le cul je devrais te voir et je te vois pas, c'est quoi ce pins là? Je devrais te voir sur la brise, alors attends on va faire spoil plus. C'est bizarre, t'es sur le même aéroport que moi? Ouais mais moi je te vois pas non plus, hein, je te rassure. Ouais ça c'est pas normal par contre. Ouais, faudra voir hein, quand même, parce que c'est bizarre oui tout ça. Ouais, à voir. Ah, t'as aussi un truc qui est un peu comme le... qui est pas qu'un peu, qui est pareil que sur le A10, avec le boat switch. Tu passes en hot ou en cold. Oui. Alors ça, c'est le bouton qui est en dessous putain, de tous les armements. Il s'appelle TV black ou white, je sais pas si tu vois. White en bas et TV black en haut. Ah là, oui, t'as le même, c'est le même principe. Ah ouais... Et les rotacteurs, c'est pour régler les contrastes. C'est ça, entre autres. Voilà, c'est ça. Et les boutons rouges et noirs, ça, c'est pour sélectionner combien de vicres ou combien de machins tu veux envoyer. C'est pareil, c'est séquentiel.
Ah, ah yes, j'ai réussi à démarrer le mirage, putain. Ah, tu savais pas faire un torque mirage? J'allais dire, on t'aurait aidé. Bah ouais, facile, putain. Mais putain, mais pourquoi il me met la... Ah merde. Ah putain, j'ai pas fait les bons réglages. Et qu'on réutilisé depuis que j'ai le palonnier. Quand il est en vue F2, avec les missiles Vicre, ils peuvent se baisser ou monter d'eux-mêmes. C'est-à-dire que si t'es pas dans le bon axe pour tirer, le système de missiles, de tubes noirs que tu as, va légèrement se baisser automatiquement. Ce qui fait que t'auras pas besoin de baisser l'hélicoptère. Qu'est-ce que tu peux... Le système d'armement va se baisser tout seul. Il va s'orienter vers le bas ou vers le haut. Et ça, c'est t'as assez génial. Pour l'époque, tu vois. Tu m'étonnes. Faudra juste, par contre, une fois que je serai en l'air, j'arrive à décoller, hein. C'est m'indiquer pour l'armement, ce serait... L'armement quoi? Sur le mirage, comment l'utiliser. Ah, c'est pas compliqué. Mais on fera ça une fois que je serai en l'air, plutôt, parce que... T'aimes pas les bus, toi, hein. T'aimes pas les petits enfants qui sont dedans, hein. Je sais pas ce qu'ils t'ont fait, mais t'aimes pas les bus. À la base, c'est pour détruire les chars, pas les bus. C'est vrai que ça fait cher quand même. Hein. Ah, ça fait cher, ouais. Envoyer un Vic pour un bus, c'est comme envoyer une bombe atomique sur une mouche, quoi. Ouais, mais au moins t'es sûr que. Ah, bah là, quoi. Oui, comme ça, ouais, c'est sûr. Aussi, un point qui est important, qu'on a, hein, qui est vachement important, que je t'ai pas dit, tu vas appuyer sur le bouton si t'y as pas touché sur le throttle. Le pilote automatique engage et désengage. Oui. Et tu vas regarder ton stick, il y a une petite languette sur ton stick qui va se lever quand tu fais ça. Alors, tu m'as dit. Refais-le parce que je t'ai perdu. Le bouton noir de l'autopilote du throttle. Oui. Engage et désengage. Oui. Avant d'appuyer dessus, tu vas regarder ton stick de ton hélico. Ouais. Tu appuies dessus, tu appuies dessus plusieurs ah fois. Oui. Tu vas voir. Oui, oui. Y a une... Et là, tu vas passer en mode canon. Ok, oui. Et ça, ça fait mal aussi. Ça, tu détruis un convoi de camions, d'essence, ce que tu veux. Mais il tire pas. Ouais, c'est normal. Peut-être que t'es pas, je sais pas, que t'es pas engagé sur... Oh. Mais il tire, hein, techniquement, il tire. Hein. Ah, il tire avec le release weapon, par contre, je me suis trompé. Ah oui. Et là, ça tire. Non, parce que tout à l'heure vous avez gueulé les gars que j'ai usé une CBU pour presque rien. Bah, donc, c'est vrai que t'as balancé une CBU sur 5-6 camions, il a eu aucun détruit. Non, mais là, là je pense que ça va. Ça va faire mal, d'accord. Je les vois même pas, moi. Je les vois même pas de. Ah, bah t'es bien stabilisé là. Ton over il est pas mal là. Il est même très bon. Donc c'est bon le canon, t'as réussi à t'en servir? Non. Avec le release weapon, hein, le bouton rouge qui est tout en haut. Ouais, bah ouais, j'appuie dessus, mais il fait pas 30 ans. Ah bah ça c'est pas normal, c'est parce que t'as dû réappuyer sur le bouton noir de engagement et désengagement du pilote automatique de la 10. Ouais, c'est ce que je fais, il est bien relevé là, mais il fait mais pas 30 ans. Ça, je suis à côté. Il doit peut-être y avoir un switch pour le... Ouais, je suis... Attends... Non, lui il bouge pas. Non, justement. J'ai fait mon pimpin. Techniquement, ça devrait. Ah là, putain, ma grand-mère. Je vais voir ça, qui s'y dit. Oh bah, c'est bien. Qu'est-ce que ça? C'est pas bon. Non, le master arm est engagé, tout est bon techniquement, ouais. Il n'y a pas de. Ouais, ouais. Non. Moi, elle est bien engagée quand je tire avec le release weapon. Ouais, pas avec la gâchette, hein. Avec la je suis bien weapon. En canon. Pas avec la gâchette, hein. Avec le bouton rouge. Ouais, le bouton rouge qui si est tu veux, j'ai inversé entre les tirs, je me suis trompé. Oui, parce que normalement, la gâchette, c'est les canons. C'est l'inverse. Et ouais, c'est l'inverse. Le release, c'est le. Ah, c'est ça, je me suis trompé. Mais ouais, non, il veut pas. À moi il veut. Ah ouais. Il veut même beaucoup même.
Purée, par rapport à un Warbird, par contre, il tourne pas beaucoup le mirage hein, au sol. Ah, tu as pris goût, hein. Il est j'avoue que c'est pas pareil. C'est sympa. Qu'est-ce qu'il dit? Il est beau l'intérieur de ton cas à 50 mètres. T'as vu ça? Allez, rifle, allez, mange. Mais tu sais ce qu'on voit quand même? Oh mais putain, je me suis foutu dans l'air. C'est cool. Ah, allons, allons, allons. Tiens, deux pour le prix d'un, ça fait des économies. Allez, tiens, moi j'ai été éjecté. Ça, c'est fait, on parle plus. Ah. On aurait joué Mako en PLS, une fois de plus. Ah bah moi en tout cas ça fait un moment déjà. De quoi? T'as été kick? J'ai été kick et juste avant d'être kick en fait un gros freeze puis rien. Parti. Ah bah. Pas cool. Ah, comment il tourne le bazar hein. Parce que t'es encore en train de jouer, nous on s'est fait kick. Hein. Oh je l'ai raté. Moi je suis encore sur le serveur hein, perso. Ah bon, Vous êtes tous kick? Non, moi je suis dessus là, hein. Il fonctionne très bien. Ouais, Raid. Parce qu'en fait. Ouais, on va s'en aller, Raid. Il nous aime pas, t'as vu? Ouais, je vois ça, ouais. Non. Avec un professeur aussi efficace, non, j'aurais pas osé. Hein. J'ai une petite question sur le Mirage. Ouais. Pour tourner là, il faut bien débloquer le. Oui, est-ce que t'as déverrouillé la roulette de nez? Ouais, quand c'est en bleu, ça veut dire que c'est déverrouillé ou pas? Ouais. Ouais, monsieur. Ok, donc, c'est bleu. As-tu. Juste comme ça, hein, je veux pas te prendre pour un idiot. As-tu réglé ton palonnier sur le mirage? Oui, justement, je viens de le mettre. Ouais, on revérifie parce que moi, ça m'avait. Ça m'a désassigné plein de trucs quand il y a eu la mise à jour. Je dis ça parce que moi je me suis fait attraper tout au début avec le A10. Tu vois, je croyais que le palonnier je l'avais réglé et puis fin de compte j'ai tiré tout droit. C'est un peu gênant. Ça. Bon, par contre, le truc d'INS et tout là, ça je sais pas du tout utiliser. Hein. Ouais, mais. Je pense qu'on en a pas besoin là. Ça on l'utilise quand on fait du largage GBU12. Ouais. Où on rentre l'IP et la coordonnée de largage. Et comment? Mais on reviendra dessus si nécessaire, on fera une séance de formation. Oui, mais pour ce soir, j'en ai pas besoin. Ah non, du tout. À la limite, on peut. Et puis, comment on vulgairement se foutre sur la gueule? Faire un dogfight? Ah bah non, c'est vrai que c'est pas beaucoup de dogfight. Viridis, il peut nous servir de lapin. Ouais, avec son A10, ouais. Et moi, je ferais. Viridis, fais pas la gueule, gros. Pourquoi t'inquiète. Ah, ça doit être le train. T'inquiète pas. Non. Profitez-en pour l'instant. Non, c'est pas le train. J'ai une alerte. Profitez-en. Il faut qu'on profite de quoi, Viridis? Peut-être la vitesse. Tu dépasses pas, je vais le voir après quand je vais maîtriser mon gros pépère. Ouais, c'est maximum ça. Vitesse. Je suis en overspeed. Ouais, c'est ça, c'est maximum 300 km/h, je crois, un truc comme ça. Ouais, j'étais en overspeed. Bah, 300, c'est déjà énorme. Ah ouais, mais il transfle quoi. Ah, puis pour un truc de 10 tonnes, je peux te garantir qu'il envole. Alors que la gazelle, elle doit faire, je crois combien. Mais pourtant, on dépasse pas les. En vitesse de croisière, on dépasse pas les 200 quoi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai. Voilà, c'est ça. Je crois que ma vitesse elle est pas affichée sur mon HUD, c'est normal. T'as pas en décollé mode. Non, pas encore. C'est normal alors. Ok. Mais du coup, comment je sais à quel moment lever le manche? Dès que tu vas dépasser 50, je crois, bah. C'est ça, ouais. Ok, ça s'affiche top. Ouais, je verrai bien de toute façon. C'est ça, toi t'as compris. Bon. Bon, par contre, à poser, c'est quand même plus facile à poser le KA que le UA. Ah, ça n'a rien à voir.
ça n'a rien à voir. Et en plus, t'as un mode descente avec le KA qui est génial. Ouais. Une fois que t'es à la verticale, t'appuies dessus, il descend tout seul. T'arrêtes tout. Ah ouais, non, ça je le fais pas. Je fais tout à la mano. Ouais, ça c'est vraiment génial. C'est vraiment. Ah ouais, à partir de 30 km/h ici. Voilà, c'est ça. Tu peux le tirer à combien? 160? Ça dépend du poids, hein, puisqu'une rotation, tout dépend de ce que tu as. Il aime. Voilà, je vais tenter un. Hein. 70. Hashtag Vortex. Ah, c'est bon. Ça décolle. Ah, logiquement, les Vortex, tu les rattrapes très très facilement. Ouais, 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 je les rattrape sans problème. Il y a tellement d'aide au pilotage que... Ouais, parce que là, tu serais tombé dans le Vortex, là, vu comment il commençait à trembler. T'as vu? Si t'étais dans le MI, mon copain, normalement, t'étais au seul. Le UA aussi, hein, je te rassure. Ah ouais? Ah bah oui, hein, le UA, c'est tombé. Il m'a rendu fou, le UA, au début. Ouais, lui, ouais, il se rattrape un peu mieux, quoi. Que le MI-8, c'est une catastrophe, ce truc. Hein. Ça doit être interdit. Putain, pourquoi t'as mis les 2000 hôtes en froid? Je suis obligé de me faire chier les allumer, moi. Ah, j'ai tout... Ouais, j'ai tout passé en froid. C'est vrai. Je suis désolé. Alors, il faut que j'aille à la centrale. Non, je suis... Eh ben, je suis content d'avoir révisé le cas. Ah bah, tu vois. Surtout que ça voilà. Quand c'est bah, je pense qu'il y a du potentiel avec le cas, c'est clair. Ouais. Oh, j'ai les pieds sexy, là, les bébés. Qu'est-ce qu'ils ont, mes titi? Du coup, pour l'armement. Alors, si je me souviens bien. Faut que je passe donc le truc d'armement, le Master Arm Run. Ouais. Je sélectionne par exemple les Magic, donc Magic en bas à gauche, hop, je clique dessus, il y a un petit 1 qui est apparu. Et ça. Et ensuite, je sais pas. Mais je crois que c'est bon là en fait, hein. Sur mon viseur. Eh ben, on va chercher mes Mintos. Je sais pas si j'essaye de tirer ou pas en fait. Je vais essayer. Tu peux pas tirer sur n'importe quoi, il faut que tu sélectionnes. Ouais, non. Bah, j'essaye de me remémorer un truc. Attends, Modé, attends. Quoi? Attends. Ah, tu fais du stream stalk. Hein? Minette, attitude. Ça doit être l'heure de la fin. Ah ouais, les bébés. Oh, merde! T'es passé où, Viridis? C'était en l'air ou pas? J'ai pas ouais. Ah ouais, là je suis vraiment en l'air. J'ai pas tout mappé sur mon petit navion. T'es de quel côté? Je suis dans le de quel bon. Côté? Ça, c'est bon. Je suis je sais pas. Oui, bon. Ah si, il me demande si je suis en l'air. Regarde, je suis en l'air. Ça c'est bon. Non, je vais sélectionner un rôle. Mais ah putain, j'étais sur la carte à essayer de te trouver et je me suis craché. Bien joué. Et ben voilà, t'avais qu'à pas regarder où que c'est que j'étais. Ouais, tout ça pour te dégommer en plus, t'as vu, Viri? Non, mais je sais. Mais même pas en plus, hein. C'était pour tester mes magic. Ouais, mais bien sûr. Eh, t'en as mis un P51 pour moi, Modé? Oui, il y en a. Il y a du TF-51. Halloween plus début. On va tricher un peu, d'accord. Alors, left, win et début. Début, c'est ça. Voilà, c'est ça. Auto-start, c'est quand initial. Voilà. On va faire le feignant, ça. Ah, mais merde. Là, on va mettre... Alors, si tu veux démarrer le bébé automatiquement, t'appuies sur Windows et début. Et ça va lancer ta séquence de démarrage automatique. Windows plus début. Voilà. Et il y a un auto-start qui va se faire. Oh putain, c'est trop bien ce truc. Ouais, c'est un truc de feignant. Ah, ça, c'est le raccourci clavier des modules FameCliff. C'est de la triche, on appelle ça. Avec les cockpits non cliquables. Non, mais comme ça, on va pouvoir se faire un petit dogfight et se marrer un peu, quoi.
Ouais, non, mais c'est pas la peine de fight, moi, les gars. Pourquoi? Pas armé, vous pouvez. Mais si, tu peux, tu nous fonces dedans. Donc du coup, pour l'armement, Red, c'est j'ai juste ces deux trucs-là à faire, mettre sur On et puis sélectionner Magic, si je veux Magic, et voilà, c'est bon. Attends, on va le faire ensemble. Je m'en rappelle aussi. Moi. Qu'est-ce qu'il y a d'important à mapper là-dessus? Ah ouais, mais il fait tout seul, quoi. C'est excellent, il demande même... Ouais, c'est pour les feignasses. Voilà, c'est bon. Radiateur d'huile ouvrir. Alors, le Magic, c'est un verrouillage, un missile qui s'allonge par infrarouge, GPS ou quoi? J'en sais rien du tout. De quoi? Le 530, le Magic, c'est quoi? Radar. Radar. Et l'autre? Et l'IM... Le Magic? Le Magic, c'est infrarouge, je crois. Attends, il y a Matra Magic 2 et Super 530D. Ok. Tout est allumé. T'as allumé le VTH, le VTF, tête haute, viseur tête basse, tout ça c'est allumé. Le radar est allumé. Le radar, il est... Non, il doit pas être allumé, je crois. Ah, voilà. C'est le RWR. Hein. C'est ça. Et t'as non, en dessous, il est pas allumé. T'as un carré en dessous, là, un écran, et ça s'appelle le... Le VTB, viseur tête basse. Avec le oui, voyage, alors ça c'est bon, je l'ai mis sur on. Voilà, tu TB. Passes. Et puis le temps de décoller, tout ça, mettre les. Et c'est ça pas... c'est mon radar du coup, le VTB. C'est ce qui va te permettre de sélectionner ta cible ennemie. Ok, parfait. Alors. Par exemple, si tu vois un Viridifus. tu le dégommes. Voilà. On va pas dire mieux que ça. Bon, tu m'excuseras, je t'attends pas, j'en ai un à dégommer depuis tout à l'heure. Me dis, fais-toi plaisir. C'est qui est en mirage du coup? Moi. Ok. Et j'aimerais bien savoir pourquoi j'avance pas. Ah, t'as oublié d'enlever le front parking. Oh, quel con. Ça vient de me le faire aussi, t'inquiète pas. Voilà, c'est bon. Allez, ouais, bah, on va se rejoindre sur la piste, hein, je pense. Derrière toi. T'as pris le truc de fuel au milieu ou pas? Bah toujours. Une question bête, c'est la première fois que je monte dans mon petit cockpit là. Lequel? Dans lequel? P51. Tu veux un coup de main pour les marques du 51 ou pas? Non, ça va aller, mais c'est pour juste pour activer les pampans. Ouais. Je peux pas t'aider, je suis pas dans le cockpit. En bas, derrière le joystick. Ouais, je vois gun. C'est par là, voilà. Tu as rocket, gun, machin, tu sais là. D'accord, et la caméra. Oublie pas d'allumer le petit viseur tête haute de l'époque. La petite outil pour tirer. Voilà. Il me fait rire d'ailleurs ce petit viseur. Ouais. C'est vachement bien. Une fois que tu sais bien le régler et bien t'en servir, oula, je peux t'assurer que tu fais mouche. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, j'ai entendu Viridis, ça fait pan. Ah, tu t'es crashé, oui. Oh merde, du Régis, t'aurais pas besoin d'attendre. Ça va être du bonheur, on va taper avec des mirages sur... sur enfin, Viri, t'aurais pu nous attendre, quoi, franchement. Non, mais en même temps, on est obligé de se mettre en Warbird parce que vous êtes tellement mauvais que... Ah d'accord, attends, je décolle, je vais te calmer en 5-7. Bouge pas. Vous êtes tellement mauvais que... Bouge pas. Ah, c'est ça que j'ai pas mappé, c'est mes volets. Ouais, bah tu as le petit bouton jaune qui est sur la gauche. Ouais, mais je voulais le faire par... Putain, c'est bien, en plus, t'as un skin qui est vachement pas voyant, Nexus. Je le trouvais beau. Enfin, j'aime bien, c'est de la Tiger Meat. Ah, qu'est-ce qu'il est vilain, ce truc, mon dieu. C'est un léopard, un tigre, quoi. Ah, c'est un tigre. Ah, c'est vraiment un chien, on dirait un sapin de Noël. Attends, je vais la regarder depuis le haut, que ça donne. Ah, c'est moche. Mais non, c'est vachement sympa, moi, je trouve. Ça a du charme, non? Les pieds sur le frein, 0,80, puis on lâche, on engage la PC, c'est parti. On désengage le noise wave steering, toc, c'est parti. La partie, passer 100. Allez, 140, 150, rotation. Zouf, allez, feignant. Voilà, c'est parti. Train à rentrer, il n'y a pas de volet, c'est du delta, ça va nickel. Oh putain, je crois que j'ai dû casser mon train.
Ah bah bravo. Ah, t'as roulé trop vite, c'est pour ça qu'il faut assez rapidement tirer sur le... Je mets la tech. Voilà, super. T'es sûr qu'il est allumé? Ah bah non, il est pas allumé, abruti, si tu tombes pas le... Je m'en laisserai jamais du... De quoi? Warbird. Ah, c'est génial, hein. Oh là là, le son. On a fait des sessions, nous, avec Snow, mais monstrueuses en Warbird. Et surtout, quand tu te mets sur la carte Normandie, c'est encore 100 fois mieux, quoi. Oh putain, ça y est, ça tire, mon dieu. C'est qui tire là? Regarde dans le hangar. C'est toi, Modé? Bah oui. C'est normal que mon radar, enfin mon RWR là, il y ait toujours rien de, d'affiché dessus? Ouais, parce qu'il faut que tu aies. Tu vois le, les gaz? Oui. T'as un bouton à rotatif avec un V dessus. Il faut que tu tournes le plus bas possible à gauche, à droite. Alors attends, je vois les gaz, et à gauche de, des gaz... T'as un rotatif, juste sur le côté gauche du rotatif, t'as un truc qui s'appelle Radar Power Selector. À gauche du... Merde. Des gaz. Juste sur le côté gauche des gaz, d'accord? T'as un rotatif avec un V, avec un V blanc dessus. Putain, pourquoi je le vois pas? J'entends rien, ma femme. Qu'est-ce que tu dis? Attends, mais les gaz, on est d'accord qu'il y a ma consommation qui est en vert, et juste à gauche, non, j'ai mes gaz. Je parle de la manette des gaz. Ah. Oui, ok, donc là je regarde la manette des gaz. À gauche. Ah oui, c'est bon, faut que je le mette sur préchauffage. Ah, tu le mets à fond. Non, mais tu le lâches directement, tu vas à fond à droite. C'est fait. Tu vas avoir le TH qui va s'allumer. Ok, bah parfait alors. Donc là, pour l'armement, du coup. Alors, tu vas d'abord cibler, trouver une cible. Alors après, ouais, ça règle avec les antennes et tout, c'est tout le bordel. Hein. Mais dans l'absolu, si t'as quelqu'un en l'air, tu vas le cibler, le verrouiller et après tu pourras tirer. Et pour sélectionner les Magic, je mets Master Arm sur On. C'est je ça, clique sur Magic. Sur Mag. C'est ça. Et c'est bon, ok. 530, donc pour les 530. C'est ça. Et pour le canon? Le canon, ça se map directement, je me rappelle plus ce que j'avais fait. Bon. Ah, c'est pour un... Ok, je vais regarder ça. Hop, modifier les commandes. Taper canon, je devrais trouver normalement. Je crois que c'est virgule pour cycler le réticule. Je suis pas sûr. Tiens, je tape canon et il ne trouve pas canon. C'est bizarre. C'est pas assez tir, je sais plus comment c'est sur le mirage. Sur le mirage pour tirer, j'aurais... Tire non plus, il l'a pas. Non, mais... Il est sur l'aile comme ça, lui. J'ai cassé mon anti-aérien gun, c'est peut-être ça du coup. Ah, gun. Je crois qu'il. Ah, bah, moi aussi, je sais pas pourquoi, mais il tourne directement à gauche ce soir. Ouais, mais j'ai dû faire quelque chose qui va pas là. Qu'est-ce que j'ai mal mappé? Non, pourtant, ça c'est bien. Je ne comprends pas. Moi, je pense que c'est le pilote, tout simplement. Il y a pas... C'est mauvais, oui, oui. Ouais. Vous êtes où, vous, messieurs, dames? Ouais, bon, bah, j'arrive pas à mettre le canon, c'est pas grave. Attends, vous êtes où, je vois pas. Nexus, il est là. Pourquoi vous pouvez y aller? Ah, vous êtes là-bas. Oh, vous êtes vachement loin. Ah. Alors, F10, où c'est qu'ils sont? Oh, ils sont loin, ils sont à perpétuer les ouailles. Ah, ça va. Ok, un virage serré à gauche. Ils sont à 120 nautiques. Qui c'est qui fait ce bruit-là? C'est peut-être moi, je viens d'enclencher la PC. Non, c'est pas toi. Ils sont à 120 nautiques, alors avant lui, on a le temps. Hein. Ouais, mais les gars, vous nous aurez pas, on est trop malin avec Modé. Oh, 311, allez, un modé, c'est vrai. Bah, faudrait déjà qu'on arrive à décoller, mon lapin. Bah, c'est ce que je te dis. Ouais. On est y a du mal. Vent ou pas? Non. C'est quoi qui vous empêche de décoller? Hein, c'est le talent. C'est les pilotes. C'est parce qu'ils sont mauvais, c'est tout. T'inquiète c'est pas. C'est le talent. Mais t'inquiète vraiment pas pour ça. Hein. Ouais. Putain, la centrale est alignée ou pas? Je vais au 300 et je suis pas du tout. Ah bah ouais.
Je suis pas devant le monde. Mais nous, il y a un avantage aussi, c'est qu'on trouve pas de prétexte. Nous, on a pas peur de dire qu'on est mauvais. Je vois. Ouais, non, il y a la force du vent, tatati, tatata. Ouais, mais tu passes d'un 50 à un T51. Tiens, rabats-toi sur mon île gauche dès que je suis 10 degrés sur la gauche. Ok. On va se la faire, c'est depuis. Pour lui. T'es en PC là, toi ou pas? Ah bah ouais, je suis plein vue là, 4500. Ok, bah je vais laisser plein gaz à l'armoire ici comme ça. 120 nautiques, s'ils viennent en PC, t'inquiète, ils vont arriver sur zone, ils auront plus de fuel. Ouais, peut-être c'est calme mieux, parce que moi j'ai la VRL qui a lâché carrément centrale. Donc on va pouvoir faire un... Ok, j'ai lâché la PC moi. Hop, voilà, on va engager le machin, toc, parfait. On va dire au revoir. Voilà, il est parti. Bidon central est largué. Le jour se lève. Comment tu sais une fois qu'il est vide ton bidon central? C'est marqué dans ta jauge d'essence à droite. RL s'allume. Bon bah tant que j'ai rien d'allumé. Ah si, c'est allumé. Voilà, donc ce que tu vas faire maintenant, tu vas retourner là où il y a le Master Arm. Dessous, t'as un bouton qui s'appelle Selective Jet Design. De la chance que j'ai pas de. Oui. Tu passes le bouton, tu le passes sur le rotatif sur la gauche. C'est fait. T'appuies sur RP à côté de 530. RP. Et t'appuies et tu tires avec le bouton rouge pour tirer et ça va dégager automatiquement le machin. Et il va disparaître. Vas-y mon mec, c'est pas mon bon bouton pour tirer ou... Ah je sais pas. Le bouton rouge du pour tirer, tu dois... Oui. Essaye avec la barre espace peut-être. Eh oui c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à tirer au canon aussi. Mais il faut que je le mappe, alors c'est dingue ça aussi que... Et pourtant c'était mappé avant dessus. Je dois en avoir ralenti mon modé. T'es à la frontière vers la mer ou pas? Je suis à 90 nautiques, j'ai enlevé la PC. Parce qu'il va me rester que 5 tonnes de carbu, pour se calmer un peu. Par contre je vais monter 35 000, on va gagner un peu de carburant. Allez hop, 35 000 pieds, c'est parti. Vas-y, nous modé aussi on monte à 35 000. Ouais, c'est ça, bon courage. Avec 35 000, on va consommer moins de carbu. Ok. Et hier, on a fait combien hier soir, Nexus? Avec 33 000, je crois, non, 38 000 ou je sais plus combien, mais oui, on est monté haut, je crois, 33, 34. Hein. Avec le Warbird? Oui. Avec le P50, ah ouais. Bande de malades. Et je te garantis. Il durait 15 minutes de montée, je pense, même plus, ouais. Peut-être. Et je te garantis que le pilote, il avait la meuf qui était congelée, quoi. De malades. Eh, moins 50 le carburant là-haut. Ah, tu m'étonnes. Hop, là. Putain, il t'aide plus que mon vieux, ce truc-là, c'est pas possible. Mon modé, t'es où, modé? Je suis dans les airs. Espèce d'enfoiré, je t'attends comme un con, moi, tu fais rompeur. Bah oui, bah... Avec un peu de tout, pour voler tranquillement. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a une place. Bien sûr, il y a plein. Welcome on board. C'est pas ouais, je pense que tu devrais trouver ce qu'il faut, oui, niveau module, il y a pas mal. D'accord, c'est chouette. En gros, on a sorti deux Mirage 2000 pour mettre une branlée à 2 et 1. On s'est dit que ça pouvait le faire. Bon, après, okay, faut déjà que j'arrive à tirer, quoi, parce que c'est pas dit pour le moment. Ok, je suis 32 000, je stabilise. Hop, j'engage le pilote auto. Hop, c'est parti. Les voilà. Deux quarts. Vous êtes sur la stable, le serveur. Ouais. T'as vu? Et en plus, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont sorti deux Mirage 2000 pour nous. C'est pas modé. Ça, c'est du luxe. Hein. Moi, je prends ça comme un compliment, tu vois. Ouais, et en plus, hein. Vous êtes rentré sur une zone qui était interdite, alors. Ouais. Le plus gros compliment, c'est qu'il y en a qu'un de nous deux qui est armé. T'as vu? Mais vous êtes, vous devez pas être là, donc on va nettoyer la zone. Mais par contre, qu'est-ce que je rigole? Franchement, je rigolerais si tu défonces les deux monnaies. Je dirais, mais les gars, vous êtes vraiment des tocards. Non. Retournez avec vos mobilettes, vos 103 SPX. Il va peut-être te falloir le mot de passe pour rentrer, non? Oh, je vais le craquer, j'ai 5 minutes devant moi. Comme vous êtes gaucher des deux bras, on est tranquille.
J'ai fait simple pour le mot de passe. 1, 2, 3. Non. Tango Bravo aussi. En minuscule. D'accord. La base du Broken Wing. Comme d'hab en fait, hein, j'ai l'impression. Ouais, mais il va changer, parce que comme je suis en stream, bon, il n'y a pas 36 millions de gens qui regardent le stream, mais... Dire ça. Ouais. T'as le lien pour le... Tu fais quoi, sur YouTube? Ouais. T'as le lien? Ou t'as un nom, quelque chose, je sais pas. Ouais, bah, c'est Modéliste 60. Et pourquoi 60? Bah, c'est l'âge qu'il a. C'est l'âge qu'il a. Formation qui a 50 et vol d'hiver actuellement en direct. C'est parti. Putain, je suis dans T6, je sais pas ce qui m'empêche de tirer là. La peur. Non, pas la peur. Mais lui, sa mère. La pitié, je dirais. Vas-y, Modé, vas-y. Sois volonté. Ça t'es passé où, Red? Ah. Tu vois plus? Attends, parce que. Ah ouais, je te vois, Modé. Bah ouais, tu me vois. Alors. Mais arrête, pardon, je te vois même pas sur la carte en fait. Hein. Attends, c'est... Mais sérieux, mais toi tu vas la fou, toi, Modé? Je suis à 200. Ah ouais, non, mais moi tu m'as dit vol détente, t'as vu, je suis à 160. Hein. Bah, vol détente, je suis à 200. Vol de croisière, toutes les aiguilles dans le vert, tranquillou, pas de bruit moteur, tout va bien. 200, non, moi 160, parce que t'as vu, s'il y a les flics sur la route, on sait jamais. Ouais, t'as un spoiler. Les flics, c'est nous, là, t'inquiète, on arrive. Oh là 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 là, Nexu, non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, je retourne dans mon cockpit là, j'ai pris une entorse à la rétine. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé ton avion. Ah, mais il est magnifique! T'as vu, hein, il est flashy, hein! Ah, ouais, c'est bon, hein, j'ai les yeux qui saignent, j'ai le voile rouge. Ah, ouais, ouais, ah, c'est ça. Ah, ouais, j'ai le voile rouge, c'est bon. Ah, moi je l'ai trouvé sympa, hein! Ah, ouais! Ah. Très sanguin. Allez, bougez pas les filles, j'arrive. 49 kilos, Nexu. Je sais pas à combien je suis, moi, mais... Qui vole en quoi, là? Même si je vais le voir en spectateur quand j'y serai. Ah, mais Red, en fait, du coup, tu t'appelles Rouge en français. Il y a un TF-51, un P-51 et deux Mirages. Quand je veux la paix, j'écris Rouge. Voilà. C'est excellent, ça. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Je vais redescendre à 35. Ah, t'as pris ta cigarette, ma femme, c'est bien, je vais pouvoir. Par contre, mon RWR, c'est toujours pas allumé. Hein. Oui, ouais, mais on n'a pas allumé nos radars, hein. Tu nous auras pas. Alors, tu l'as allumé ou pas, le RWR? Bah, oui, j'ai mis sur le V là, j'ai mis sur on, enfin sur à fond là. Ah, voilà. Non. Ouais, c'est... Ah, bah, il faut... C'est à droite, hein, le radar. Ouais. C'est BR, ça s'appelle. Attends, comment ça s'appelle? Ouais, mais attends, parce que je crois qu'il y a un homme manché qui est en train de me tirer dessus. Ah oui, y a pas de... Délice. C'est quoi qui se décroche? Il y a pas l'avion que j'aurais voulu sortir, c'est dommage. Ah, tu voulais quoi? MiG-21 et Vegan. Ah, il y a Vegan, mais... Toutes mes excuses, j'ai oublié de les passer en client. Pas de soucis. Bon, bah, je vais faire en Mirage. Attends, parce que j'ai... Tu vas décrocher là. Là tu décroches. Mais là. Non, je décroche pas. Si, quand ça tombe comme un caillou, c'est que ça décroche. Hein. Mais non, mais t'inquiète. Oh là là, qu'est-ce que tu lui mets? Oh, qu'est-ce que tu lui as mis? Oh là. Du coup, pour le RWR, hein, que fais comment? Alors, à droite, en dessous de la centrale inertielle, tu as trois boutons TMA. Je sais pas si tu les vois. Non, en fait, je vois pas déjà la centrale inertielle. Alors, la centrale inertielle, elle est sur le panneau latéral de droite, tout en haut. Latéral de droite. Là où il y a marqué 1, 2, 3, est, ouest, machin. Tu vois ce que je veux dire? Oui, t'as vu. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais si, je sais pas si il est toujours derrière moi, le tour. Donc, tu rentres à droite. Viridis, t'as un traquier. Ah oui, ça c'est bon. Alors, oui, là c'est bon, je. Non? Alors. Non, c'est pas il est toujours derrière en plus. Ah si, là où je rentre les cornets, 1, 2, 3, 4. Voilà, en dessous, tu as trois boutons qui se montent TMA. Sur, tu les mets tous les trois sur la position. T'as le brouilleur, le radar, je sais pas. C'est fait. Voilà, et là tu dois avoir le RWR. Eh oui, putain, j'ai des petits triangles et tout là. C'est... Voilà, parce que moi je te vois M2000, t'es dans mes 5 heures. T'es dans mes 7 heures. Ok. Allez, on a combien de ces pignouf? 20 nautiques. Moi je suis plus loin que toi, je crois. Hein. Tintin. Je suis bien plus loin. Ah
Ah, puis là, je suis à 33 000, donc ça va être un pur moment de bonheur. Je vais pouvoir... On va pouvoir se les faire en idole. Vaut mieux utiliser les Magic ou les 530 oh bah pour eux, les 530. Les 530, c'est plus longue distance que les Magic. Les Magic font des virages plus, bien plus serrés à courte distance. Ok. Pour eux, les 530, ça suffira. Ça devrait être suffisant. Normalement. Ah, là, ils sont à combien? Et c'est normal que, du coup, quand je sélectionne les 530, j'ai plus le. Avec les Magic. J'ai un petit curseur, enfin une petite truc qui s'affiche, une petite croix là en haut. Et quand je sélectionne les 530, j'ai plus ce truc qui s'affiche. Là, ça me dit rien. Ah non, je l'ai perdu là. Putain. Bon, bah voilà. Par contre, je pense qu'il est mal réglé mon RWR parce que les 4 triangles ils y sont encore dessus. Les 4 triangles? Quel triangle? Je sais pas, j'ai des triangles en nord, est, ouest et sud. Non mais ça, ça a rien à voir, c'est le Takan ça. Attends, non, non, quoi, de quoi du coup tu parlais? J'ai le nord, est, ouest, quoi je... Alors non, attends, bah tu vois mon RWR là. Tu confonds. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, le RWR c'est le truc qui est en haut sur le panneau de droite. Oui, je le vois, il y a deux cercles, enfin il y a un cercle au milieu voilà, dans notre cercle. Ouais. Et il y a des petites graduations un peu comme les heures, quoi. Ouais. Et ben, aux graduations minuit, etc., enfin tout tel de quart, j'ai un triangle avec une barre au milieu. Ah, j'ai jamais vu ça, je sais pas de quoi tu parles. J'ai idée. Sérieux? Ah ouais, vraiment. Les trois switch. C'est le petit rond qui est au-dessus du Takan. Enfin, Oui, non, je le vois, celui qui est censé m'afficher. Ton ami, des trucs. Ton build, ou direction si tu l'as mis, hein, il fait bête. Ouais, je sais pas, je comprends pas trop. Ah, attends, c'est peut-être parce que les trois, je les avais mis en position T. C'est le temps de voir un coup. Faut que je les mette en M. Allez, on va s'amuser avec eux maintenant, ils sont en haut. Attends, j'ai pas senti le mirage, ça fait toujours un peu plaisir. Non, pourquoi? Tu me captes toi avec tes radars ou pas? Ah, ouais, je te vois, ouais. Ok, moi je te vois pas. J'ai plus les triangles, mais j'ai juste la croix au milieu, c'est tout. Je te vois bien, y'a pas de soucis. Quel truc, mais... Bien la manière qui. Ah ouais? Avec tant de douceur. Mais t'inquiète. Ah, les DVD portables. Ne t'en fais pas, je te vois. Ah ouais, je suis en amusé avec eux, je suis chaud. Putain, je te vois pas, c'est possible. T'es sûr qu'ils ont décollé au moins? Ouais, bien sûr, ils sont là. Il y a moitié qui a décollé, donc c'est bon. On va baisser la l'antenne, peut-être que c'est bien là. Modé, défonce-les. Attends, bouge pas, j'ouvre la verrière, jette du papier à lui, ça va faire des chaffes. Ouais, vas-y, chaffe. Et par contre, je suis pas prêt de pouvoir tirer en fait si mon radar il fonctionne pas vu que c'est des trucs à. Eh oh, on a pas de radar nous, hein. Le meilleur radar c'est tes yeux. Oui, mais si les roquettes elles veulent pas partir. J'ai fait un chemin pour même pas les avoir sur mon âge. Tu sais ce que tu fais? Tu passes vertical et tu jettisonnes. Ah, ça y est, je les vois. Ça y est, je me le fais. Hop, c'est fait. Allez, c'est peur. Parti, mon kiki. Non, j'ai peur. Ah merde, ça, je l'ai perdu. J'aurais dû le faire. Vous êtes loin, dis donc. Parce qu'on est loin de vous. Ouais, non, on est super loin, par contre, les mirages. Hein. Bah, en fait, j'ai mis les pistonneries un peu loin pour que ils soient pas embêtés par les turbineux. Et au final. On devient une maladie. Et au final, voilà. Au final, on vient quand même. J'avais pas pensé au dogfight turbineux, pistonneux. C'est vrai qu'en même temps, c'est vrai. Écoute, le repas pour rejoindre. Putain, je l'avais loqué, je l'ai perdu, j'ai oublié de le loquer deux fois. Quel carburant. Bah, moi, j'essaye de trouver des personnes là déjà. Ouais. Moi, je vais décoller. Allez, on va arriver à le trouver. Allez.
Mais déjà le souci c'est que je capte rien sur mon radar, donc à partir de là. Si je décolle le visor France, ça va pas le faire. C'est sur le VTB qu'il faut que tu le chopes pour que tu puisses le loquer. Sur le viseur tête basse là. Voilà, ah ça y est, je l'ai. Si tu veux, je peux enlever mon téléphone du mode avion. Ça, peut ça y est, je l'ai. Non, non, je crois que c'est moi là que t'as lock, non, non, non. Ça bip de partout, moi. C'est peut-être parce que le modèle est à ton cul. Vas-y, tire, tire, vas-y. Ah, moi, ça bip de partout là, par contre, vraiment. Non, c'est parti. Non, c'est sur moi là. Allez, c'est parti. Je sais même pas, je sais même pas leurrer. Ouais, c'est parti, ça va faire mal, je te le dis. Et non, mais c'est sur moi là, ça bip en rapproché là, vraiment super ouais, rapproché là. Viridis. On a dit dogfight, c'est dogfight. Viridis. Ah, mais va y avoir. Oui un... Quand tu ouais. seras en l'air. Ouais. S'ils sont aux altitudes qu'ils disent, normalement il devrait y avoir des traînées de condensation. Ouais. Alors regarde dans le ciel, si tu vois qu'ils dessinent des 8, c'est que c'est pas naturel. Allez, fais ta prière, t'es mort. Non, ça coûte cher, c'est un avion de collection. Putain, j'ai pas réussi à le choper, merde, il a... j'ai bien non, eu mais ça bip encore là, hein. Ça arrête pas de biper. Hein. Ah, ça y est, j'ai. Tire, j'ai. Voilà. Je t'ai pas touché là. Je crois pas. Ça a pas fait boum en tout cas encore. Ah, t'es pas là. Encore, c'est long encore. Eric, chat, machin, gna. Non, bah. Ah, bah, de toute façon, j'ai plus de carburant là, je crois. Tu vois, et je t'ai dit qu'ils arriveraient sur zone, ils seraient bingo fuel. Ouais, c'est ça le problème. Mais j'ai vraiment plus de carburant par contre. Alors méfie-toi parce que le 2000 il a pas d'APU. Donc. Et là ça me met le truc panne de partout et moi je suis dé, il vient de s'éteindre. Ouais, mais t'as un bouton sur la gauche pour redémarrer les racks. Hein. Ouais. Et sans fuel. L'éjection, je sais pas, c'est quoi les boutons d'éjection là. Contrôle E. Trois fois. Contrôle E. Trois fois E rapidement. On reste appuyé sur contrôle. Bon, Viridis, il y en a déjà un qui est abattu. Mais je te l'ai dit qu'on allait rigoler avec eux. avec les clients. Je te l'ai dit que c'était des bons à rien. Hein. Les chauffe pas trop non plus. N'oublie pas que toi t'es pas armé déjà. Ouais, c'est qui m'est passé au-dessus de la gueule là. C'est peut-être le mien d'avion, Pierre, qui est en train de descendre là. Et... Ah ouais, bah ouais, bah c'est. Kaboom, non, non. À mon avis, t'as fait kaboum là, non? Oui, non mais parce que je me suis éjecté donc. Ouais, t'as fait kaboum parce qu'en fait tu m'as rentré dans la gueule. Non. C'est le karma ça, tu vois, tu te fous de ma gueule. Bah. Tu vois, les turbines, on est tellement fort qu'on a pas besoin d'être dans l'avion pour que l'avion vous tue. Voilà, c'est ça. Tu vois. C'est bon, je reviens, je rejoins les Warbirds. On a besoin de tirer. Alors, on va essayer de s'en souvenir comment on le démarre. Alors. Ah ouais, il est cassé ton avion. Bah, ils volent moins bien. T'imagines qu'on n'arrive même pas à verrouiller un P51, c'est pas bon. Moteur trop froid. Bon, moi j'avais rien du tout sur mon radar. Hein. Ah oui, je l'ai pas. Mais non plus sur le. Je captais même pas toi en fait, sur le radar. Ah, moi, toi par contre, je t'avais chopé depuis un bout. Oui, bah j'ai vu ça. Quand ça a commencé à biper là. Bon, je fais un passage bas des fois que bon, on sait jamais. 400 RPM. Ouais, on va faire ça va aller. Putain, j'arrive pas, et personne n'arrive. C'est pas possible, on arrive pas. Bon, ouais. Je suis dans T6. Ouais, tu peux toujours y aller. Hein, moi, je suis au début. J'essaye pas de te suivre. Hein. Je pense que. Je risque de serrer le. Je pense que c'est compliqué, oui. Le problème, c'est qu'ils volent plus vite que les balles, donc. C'est ça l'emmerdement. Putain, impossible de vous loquer, je suis Blasman, c'est vrai. Blasman. Mais on vous l'a dit que vous nous auriez pas. C'est plus chaud, hein, c'est le combat tournoyant et canon. Hein. Ah merde, je crois que j'ai pris le TF-51. Bah, c'est le nom d'armée, le TF. Ouais. Bah, j'ai pas d'autre choix que de m'éjecter. Mayday, Mayday, Mayday. Oh non, j'étais dans T6. Ouais. En plus, j'étais en. Bingo Fuel, toi aussi. Je te rattrapais. Ouais. Je suis blasé, outré. Oh, bah, voilà, 120 nautiques de navigation. Pour rien du tout au final du coup. Je crois que ça va être pareil, du coup je vais partir sans savoir prouver pour une demi. Flash, ouais, c'est, je suis parti.
Mon avion il est parti sans moi. Je suis le seul en train d'y aller là, c'est triste. Ah, mais on t'attend tous là. Oh. Jimmy, hop. Je vais arriver, je vais me faire prendre en embuscade par trois coucous de c'est mon bien. Ah non, moi je suis au stream. Est-ce que les canons des avions de la seconde guerre, genre 20 mm et tout, c'est aussi efficace enfin, je veux dire, c'est efficace même sur Mirage. Ça peut le découper aussi rapidement qu'un avion récent. Oh, je pense pas. Ou quand même un peu moins. Non, non, beaucoup moins. Bah, faire un test. Ah, ouais. Me dis, tiens dessus. Bah, ouais, y'a pas de soucis. Si, pour ce genre de test, j'aurais préféré que les aéroports soient plus proches. Je pense que. Le... Non, ça fait. Faut viser le pilote. Ce qui est Fogwolf sera plus efficace que le 51, parce que le Fogwolf il a les canons et les canons ils font vraiment du dégât. Mmh. Y'a aucun doute là-dessus. Gimme up. Ok, c'est bon ça. Je sais pas pourquoi il met jamais beaucoup de carburant en fait au début dans le jeu. Le Mirage. C'est moi ou ils ont amélioré le visuel des missiles du Mirage depuis quelques semaines, non? Je les voyais pas si bien fait. Oui, ça va le Mirage. Les seules fois où j'ai vu les missiles, j'ai pas eu le temps d'admirer le détail en fait. Ils sont trop... Attends, je vais te laisser une deuxième chance de les admirer. Et le tout gratuitement en plus, je suis quelqu'un de généreux. Ah oui, je me suis dit que j'allais sortir avec un avion. Ah merde, j'ai pas attendu qu'il me réarme. Un peu plus d'époque. Ah, il est dommage avec les F2. Dommage qu'on puisse pas passer entre tous les joueurs et qu'ils demandent. C'est quoi ce skin? Et toi, tu vas gagner des missiles gratuitement, toi. Non, mais en vrai. C'est de l'hérésie à ce niveau-là. J'aime bien les skins un peu moches comme ça, mais. Putain. Qu'il est laid, quoi. Voodoo, quoi. Bon, on va sortir PowerPoint et on va lui faire un P-51 Dora l'exploratrice. Oh, je vois un pilote en... Je peux abattre le pilote au bout de son parachute? Ah oui, ça se fait pas. Hop là. Si, ça se fait, ça. Genève, il aime pas. Ouais, pas encore à l'époque, si. Ah, il y avait quand même des conventions de guerre et tout, même Première Guerre mondiale, hein. Enfin, des vieux coucous et tout, tu regardes même des films, ça se tirait pas. Sinon, ça se faisait très insulter. Ça rejette dans le chat si tu tires sur un mec. Voilà. Putain, je décolle sur le tarmac, c'est là. Et avec du char et tout. Ok, bon, moi là, j'essaye de décoller. Tu viens toucher la moitié du chemin. C'est bien le jet. Heureusement qu'il y a un autopilote. C'est passé là, vraiment. Voilà. Oula. C'était pas très académique tout ça. Putain, merde. Oh non, j'ai pété le moteur. Comment tu fais pour péter le moteur au démarrage? Bah, il laisse les RPM à fond. Au démarrage, le temps que tu décolles. Bah, juste le temps que j'ai décollé en fait, mais je sais pas. C'est toi qui pollue la piste avec ton truc noir au-dessus hein. Sûrement. Wouah! Tu l'as découpé en deux là, le bonhomme. Ouais, fallait venir voir hier soir l'état du bonhomme. La piste là, c'était quelque chose. Oh, c'était. Laisse tomber, c'est la mise en. Un cadavre. On faisait du slalom sur la piste. Ah oui, mais il y en a, ils prennent la piste de sens alors qu'on veut du coup on y arrive. En fait, si tu préfères, t'as des mecs qui. C'est toi qui dis ça. Ils coupent la piste par l'herbe pendant que les autres décollent. Donc, il y a forcément un moment, ça se percute. Bon, vous êtes nous? Non, on est là. Tiens-moi, vous trompe pas. Il y a un bot qui vole sans canopie, c'est assez sympa. Ouais, c'est moi. J'aime bien l'air, j'ai un peu chaud. Ah, c'est pas un bot rouge? Ok. J'aime bien la verrière ouverte. J'entends mieux le piston. J'aime sentir le jeu dans mes... As-tu rentré le train? Ah, c'est ça qui veut... Ah bah voilà. Ouais, t'as le train ouvert aussi. Ouais. C'est ça. Bah tout s'explique alors. Voilà. Je me traîne, j'ai l'impression que je pousse. Alors il a quoi? Il a... C'est quoi à ce niveau-là? C'est 6-9-7 ou 6-7-7? Sur le 51. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il dit? C'est du 7-7 ou du 12-7? Ah, c'est du 12. En général, ils utilisent les deux. Et c'est 6 de 12. Même semble, hein. Pas dire de bêtises, mais il me semble.
L'avantage avec le speed, c'est qu'ils utilisent tout type, hein, des types de diamètres différents. Ah, on peut choisir donc avec le speed. Ouais, tu peux choisir avec le speed, ouais. Avec première pression, avec la gâchette, tu as un certain calibre, t'appuies à fond, t'as les deux calibres en même temps ou un seul, c'est vachement bien. Mais je veux dire, le type d'armement, on peut pas avoir un petit choix. Non. Okay. 43, 4, 2, possible. Les regarde dans tes 5 heures. Dans mes 5 heures, t'es où? Ah, t'es là. Allez, passe devant. Oh putain. Oh là là. Oh putain. Oh, t'as fait bouffer le sol. J'aurais pas fait ça à cette altitude, moi. Ah, c'est ça, hein. Ouais, c'est le mec qui pas les... J'arrête pas de le dire, hein. Les c'est coucou, le mec qui... Voilà. On y est pas, quoi. Il y a le BF qui me tenterait. Le speed, il y a juste le moteur de son allumage et la vue cockpit qui est sympa. Non, le voler avec le speed, c'est beaucoup plus... il est beaucoup plus maniable que le B-51, hein. Tu t'amuses pas à jouer au palonnier. Non, je parle B-109, entre B-109 et le speed. Et... Ah, bah, c'est... Sans toi, c'est de là que j'hésite. C'est les deux meilleurs pour moi. Ah bah, c'est pour ça que j'hésite, entre ces deux-là. Ah, c'est de très loin les deux meilleurs. Ouais, bah, de toute façon, il me tente pas. Même au visuel, de toute façon, je le trouve moche à Swell, le T-51. Lequel? Le T-51. P-51. Ah, il est pas si moche, le Mustang. Pas très gentil, ça. Ouais. Alors, c'est un avis personnel, après. Vas-y, modèle, allume. Non, allume pas, qui est le même avion. C'est défonce-le. Non, c'est Coupin. Défonce-le. Non, c'est Coupin. T'as celui-là, défonce-le, tu l'entends un peu. T'es où, toi? D'abord. Il a pas osé revenir. Voilà, j'ai largué mon biton. J'ai fait à peine plus la moitié du chemin, j'ai le bidon vide. Dans les cultures du voisin. Tu connais pas l'histoire des deux PD qui joue à cache-cache et qui dit le premier qui trouve l'autre enfuit de l'autre. Et si tu me trouves pas, je suis dans l'armoire. L'armoire. Et bah si tu me trouves pas, je suis sur l'aéroport. On est dessus, t'es où? J'en suis où là? Je suis allé à l'aéroport. Deux tiers du chemin. Oh putain, deux tiers. Et toi, t'es où? Dans tes 6 heures. Parfait. Attaque! Il a un indicateur de munitions, le P51? Parce que le B109, il me semble qu'il en a un, tu sais. Ah, je l'ai touché! Bah... Qui c'est que j'ai touché là? Où je mélange avec putain. C'est qui va au tapis? C'est C'est moi! Ah, je t'ai tué! Cool! 1-0 pour Red. Ouais, je crois que j'ai juste pris une petite manœuvre un peu trop serrée. Ouais, puis t'as surtout pris quelques bases tos. Ah ouais? Ah ouais. Même pas entendu tirer, rien du tout. Ah putain! Y'a un vilain derrière moi! Ah ouais, bah là, manœuvre trop serrée là pour le coup. Qui c'est qui a osé me tirer dessus? C'est Viridis. C'est toi, Modé. C'est toi, Modé. Ouais, non, je pense que c'est Viridis, moi aussi. Hein. C'est toi, Viri? Attends, bouge pas. J'arrive. Mais qu'est-ce que tu veux? Bah, arrête. Moi ça me dérange bouge pas. Hein. J'arrive. Non mais vas-y, fais à ta guise. Par contre, ça, t'as intérêt que ça soit moi que tu tires sur moi. Hein. Ah mais moi le premier que je prends, ça sera un Viridis quoi qu'il arrive. Ah bah t'as raison, c'est le meilleur serpent qu'il y ait. Un Viridisus, P51, un Pilotus. Ah, t'es tombé? Cap 301. Ah non, il est là. Allez mon copain. Ta 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 ta. Tu vas crever. T'es un grand malade. Ding. Ah là là, t'as perdu un morceau. Tu t'éclates comme un gros malade. Allez Viridis, monte dans un avion, on vient de rejoindre. Bah je peux pas, j'ai un abattre ride. Ça bouge pas, j'arrive. Non mais je bouge pas, de toute façon je suis bien dans mon fauteuil. Allez, c'est qui part. Zou. Attends, bouge pas parce que comme j'ai volé avec la verrière ouverte, j'ai attrapé un coup de froid. J'arrive pour te soigner. Merci. C'est bien aimable. J'ai le remède efficace. Un pot de frère, un pot de bon. Du 12-7.
Voilà. Allez, on va décoller à la One Again, hein, tant pis. Hein. Quel salaud, il est en train de chauffer notre ami, alors que c'est pas lui qui est dans le cockpit. Olé, ça va pas, y'a. Oh, je vois un petit point à l'horizon là-bas, il y a un mirage qui arrive. Eh merde. Non. Mais comment vous faites vous pour avoir? J'y vois que dalle. Oups là, oups là. Ah yes, c'est modé que j'ai, ça c'est bon ça. Si vous verrouillez. Moi ça me va parce que ça veut dire que c'est pas pour ma gueule donc. Mais je pense que moi en fait, tu vois, ça sera beaucoup mieux quand l'écran il sera. Pour faire du RR, quand l'écran sera plus petit. Bon, je jettisonne mes missiles. Oui, je t'ai voilà, ton écran est trop grand. Pour améliorer ton pilotage, allume ton écran. Ah ouais. Ah putain. Oh bah c'est ça. Tout s'explique maintenant. Ah bah voilà pourquoi j'y arrive. Sûr, ça marche mieux maintenant. Je suis rassé. Ah non, en fait c'est parce que je me suis fait éjecter du serveur. Ça t'empêche pas de revenir. Ah non, ils veulent plus de moi. Ou toi, tu veux plus de nous. Combien de fois tu t'es éjecté dans la soirée, toi? Oh là là. Oh. Nixu. C'est moi. Oh putain, mais... Oula. Ah, je t'ai trouvé. Tu regardes où il y a un peu de fumée. C'est ça. Pour trouver Nexus, tu cherches les colonnes de fumée, tu sais tout où il est. C'est vrai qu'il est pas loin à démarrer parce que sinon, tu vois. Ah bah si tu faisais ça avec un Alice, c'est trop fort. J'ai plus aucun serveur. Il a pas d'armes. Avec son 2000, il a pas pris des armes. J'ai lâché les missiles, je les ai lâchés 5 et 30 secondes. Ah d'accord, sinon ça peut servir. J'ai dit que ça serait pas trop du jeu. C'est excellent, oh. Ça change plus rien. Ouais, faut que tu relances le jeu si t'as plus de... Ouais, bah c'est ce que lui faut que tu fasses. T'as foutu ça, Gwenaël. T'en mets une dans ta gueule pour la peine. Putain. Putain qui me prend toute la connexion. C'est le Mirage qui fait du rasmat là. Je suis pas en rasmat mais je suis le seul en Mirage donc ouais je pense que c'est moi. Non c'est parce que je vois un point qui s'en va vite. Alors c'est soit un Mirage soit un OVNI parce que c'est m'étonnant que le 51 il a eu. Et t'as même pas mis de gazelle Mistral en fait. Si y en a. Pas en Mistral non. Il y a les M, il y a les L. Et t'as pas mis Mistral. Juste lui. Pas de Mistral. Ouais, c'est pas grave. Mais comme ça, j'aurais pu shoot le petit mirage. Ah, oh, mais décidément, c'est ou cher ou je me vote, c'est pitoyable. Tout de suite, on veut me shoot. Alors, bah, t'es là. En ce moment, c'était plus là. Ah, Viridi, c'est revenu. Ouais. Ah, mais attendez, bougez pas parce que là. Là, j'ai été chercher des cure-dents en bas. C'est pas le rapport, du bruit. Bah, je vais peut-être rester dans le hangar parce qu'il y a un truc qui vient de passer au-dessus de moi et il a pas le bruit d'un. Ouais. Ça fait pas le bruit de piston, ouais. C'est un gros piston. Je sais pas, ça doit être un mec qui doit faire cuire des merguez, mais. Ah, les jeunes pour passer la turbine. Ah, c'est impossible de voir un T51 à l'œil comme ça, quand on a avec cette vitesse. Tant qu'on le voit, ah je l'ai vu, ah bah il est déjà derrière. C'est ça. Moi c'est le contraire, si je te vois de loin, mais le temps de t'ajuster dans la réticule, bah t'as déjà fait 3 ou 4 fois le tour. Allez mon gros. Il faudrait que tu ralentisses ta vitesse, ce serait cool. Oh, il a bien fait. On pourrait essayer de t'avoir quoi. C'est bien, tous les espoirs, ils volent plus vite que les balles.
C'est ça qui est bêta. Oh, j'ai vu non. Ah, j'ai décroché. Et j'ai décroché. Et voilà, première victime. C'est con, ça. J'ai décroché. Ça fait 4 fois que je décroche, en 4 fois que je me vautre bêtement. Voilà. Ça fait bizarre d'entendre un réacteur quand t'es en Warbird. Bon, on va essayer de venir te chercher du coup, hein, parce qu'on voit que tu commences à t'ennuyer là, on va... Écoutez-le. Bon, moi j'ai pas beaucoup riposté, hein, j'ai pas beaucoup de chance de vous toucher avec vos vitesses. Attends, je veux bien qu'on teste, voir vos canons, ce que ça fait sur le fuselage. Là. Ouais, truc récent. Je suis en train de baigner sur la piste là. Si vous voulez, je fais que des passages en rasmote, enfin rasmote le long de la piste. Ouais, mais vitesse plus bas que tu peux, quoi. Pas trop bas, sinon je décroche hein, quand même. Je vais passer sur la piste principale comme pour me poser, mais. Mais tu te poses pas, les. Ouais. J'ai entendu kaboum là. Ouais. C'est ouais, pas moi, hein, pour une fois. J'ai un tombeau canopy, j'en ai entendu. C'est pas vrai. Oui. C'est cool comment il a amélioré quand même. Voilà, j'approche de mon passage au-dessus de la piste. Ouais, par contre, ouais. La vitesse à laquelle je cale, c'est votre vitesse maximale x2, quoi. Tu cales vers combien? Dans les 200 km/h, ça devient limite, quoi. Bon, vous savez les gars, moi je trouve qu'il y a un prétentieux avec son 2000, ce serait bien qu'on lui mette qu'on le mette au tapis, vous ne trouvez pas? Ouais, mais avec les P51 c'est pas facile quoi. Bon, à 3 ou 4, on va y arriver à multiplier. Ouais, je suis en train d'essayer de le choper là, mais... Là je le vois passer au-dessus de moi là. Où c'est que t'es avec ton mirage là du coup? Oh, j'ai trouvé une froid, donc le faucon va s'abattre sur les gens qui veulent le grouper face à lui. Tiens, allez, vache. Allez, bah vas-y, je t'en prie, ça fait juste la 6ème fois que je passe. Que j'essaye de démarrer. Ça fait longtemps. Qui c'est qui a fait du strafing? Du strafing? Strafing, c'est quoi ça? C'est tirer sur les gens qui bougent pas, qui sont à terre, sur un aéroport. Oh, c'est pas moi. Tirer, là. J'ai simplement répliqué à de mauvaises paroles. Ah bah là pour le coup j'ai une aile qui fait la gueule quoi, donc je recommence pour la 7ème fois. Cool. Je sais pas si je vais... T'aurais dû en mettre en l'air hein, parce que... T'aurais dû y penser. C'est vrai hein, parce que depuis tout à l'heure, avec le cul qui me caractérise, je vais encore passer une 8ème fois. Là, j'essaie de passer doucement dessus de la piste là pour ceux qui veulent. Ok, alors attends, je tape mon demi-tour. Je bouge pas en plus. Tape mon demi-tour et j'arrive du côté de la piste. Oh putain, j'ai décroché. Non mais... Oh là 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 là. Oh, il est mauvais. Oh là là. Oh, c'est type. Tous cochés des deux bras. Un grand pas dans ses deux mains gauches. C'est par souci de visibilité de la piste en fait. C'est ouais, pour c'est après ça. Essayer d'atterrir, qu'on puisse voir un peu de loin la piste. Ah, tu fais des balises. Ah bah là, avec tous ces signaux de fumée indien, c'est sûr qu'on va pas couper la piste. Hein. Alors faut se dire qu'hier soir c'était comme ça, mais sur les taxiways, sur la piste, c'est bordel quoi. Il y en avait pas. Je vais essayer de déplumer celui qui est posé. Ah non, recommencez pas à me tirer dessus. Non, sans tirer, juste passer très proche. Ah passer tu peux, mon fou. Ah ouais, très très proche. Ouvre un dieu. Ah bah. J'ai dit très proche. Je suis sourd. Bien, merci. On appelle ça la guerre psychologique. Ah ouais, bah. J'ai pas le droit d'utiliser mes canons, y'a personne qui a dit je peux pas vous assourdir avant le décollage. Moi je suis traumatisé pour le coup. Ah, j'aurais bien aimé voir ce que ça donne quand même. Ah bah. Apparemment j'étais assez en bon rasmode, parce que à partir du moment où tu fais de la fumée quand t'es en rasmode, c'est bon signe. Enfin, tout dépend le sens. Allez, Uberol, avance Steve, carogne. Voilà. C'est parti. Putain, je sais même pas par quel côté sortir de mon hangar là. Oh la vache. Ah ouais, là t'es passé bas là, ouais. Ah non, là j'étais vachement plus haut que tout à l'heure. Là je suis sûr deux fois. J'ai pas pris le bon... J'ai juste lâché des flares.
j'ai pas pris le bon. T'es carbu, je suis où? Je pense à la limite. Je peux me rapprocher à cet aéroport de toute façon, non? Ou pas? Normalement. Ok. Oh putain, je crois que j'ai pas pris le bon avion. P51D. Oh putain, mais je suis vraiment une buse. Malin, t'en parles. T'as pris quel avion, Maurice? J'ai pris le... Le P51. Et l'impact qu'il y a autour de... On sent qu'il y en a qui s'entraînent à démarrer, non? Je sais pas, c'est café d'impact d'avion autour de la base. Il y a des trous noirs partout. Fais gaffe à toi, je vais bientôt décoller là. Ouais, j'avais repéré un petit truc qui volait, mais c'est tellement petit que ça, je l'ai déjà paumé quoi. C'est vrai que ça serait rigolo de te voir à côté de nous là, voir la différence de taille. Ça, le vol de formation, si c'est ça que tu parles, ça va être un peu difficile. Ça va être chaud, ouais. Et nous, on peut peut-être en vitesse de pointe, je pense qu'on doit être à 250-300. Ça m'en fait combien? 250-300, c'est ma vitesse d'atterrissage, donc... à voir. Encore, j'aurais dû prendre le vegan. Ça, je fais des fois l'information quand je suis à 1500 km/h. Bon, vous n'êtes nous. Si vous ouvrez pas la vanne de carburant, ça démarre pas. Hein. Vous n'êtes nous. On avait compris ça. Bon, moi je fais des aiguilles autour de la base. Pour le carburant qui me reste. Ah, j'ai repéré quelqu'un. Passez lui faire coucou. J'espère que ça va pas être encore moi. Hein. Non, je tire pas. J'en ai marre d'être au sol. Je joue. Oh, oh putain, le malade. Le frapper. Putain. Ah, ça fait vraiment bizarre, hein. Putain. Tu sais le film Retour vers le je sais pas quoi avec le USS Nimitz là. Ah, j'avais surkiffé ce film quand j'étais gosse. Où ils sont dans une faille temporelle et ils se retrouvent C'est génial, c'est un peu ça. C'est ce qu'on est en train de voir. Pourquoi il décroche tout le temps lui au démarrage là tout de suite là? Parce qu'il aime que les bons pilotes et toi c'est pas ton cas donc. La violence. Il éjecte les mauvais. Ah ouais. Attends, quelqu'un là. Qui veut tester son armement sur un mirage là, je vais tenter un passage lent. Ouais ouais, moi je veux bien ouais. Ok, attends, je suis en train de tourner pour mettre en position. Bon, une fois que je suis en vol. Si je décroche pas, je suis en train de décrocher. Ah ça y est, Ryan, en fait, t'ouvres ta gueule parce que t'as réussi à décoller, non? Ouais, c'est ça. Ah écoute, ok, faut bien qu'une fois, de temps en temps, j'arrive à voir ma grande gueule. Hein. Non mais. Ah mais putain, j'ai encore. Là je suis en approche. C'est pour ça en fait que t'ouvres ta gueule. En fait, t'arrêtes d'être en approche, hein, parce que à chaque fois que t'es en approche, je casse. Je me pose pour voir si ça marche, t'en as même temps. Ah, je veux bien, ouais. C'est pas peine de faire ça à l'arrache. En plus, j'ai pas de parachute. Oh, j'ai décollé à l'arrache, j'ai pas sorti les volets. J'ai longtemps que j'ai pas piloté. Moi non plus, je reprends les volets, ça sert à rien de sortir. Ah, parce que t'es censé sortir les volets. Je mets un cran et il part tout seul. Ça sert à rien. Vraiment à rien. J'ai cassé un truc. Oh, tu veux voir un drift? Qui se pose là? Oh, personne. Ah, c'est moi là. Fais des drifts. J'ai essayé de me poser là. Je me suis posé aussi. J'ai cassé toutes mes roues. Non, juste la roue avant. Le radar qui marche plus, je sais pas pourquoi. Qui c'est qui tire? Qui c'est qui est en l'air? Je fais des étincelles avec mes roues. Pas moi. Putain, y'en a un qui me tire dessus. Ah! Allez-y les. Ah non, c'est un 51. Au sol. Réarmer, refaire le plein, je vais peut-être réparer avant. Combien de temps ça tuera à réparage? Ouais, mais tire pas sur le pilote. Je crois qu'il y en a. Ce qu'il faut voir, c'est la résistance de l'avion par rapport à. 160 secondes. Ah, tu m'as laissé plein de petits trous. C'est vrai? Il y a même des trous qu'on voit à travers. En mode gruyère? Ouais, la partie droite de mon. La FF2, hein, tu vois, la partie droite, c'est du gruyère. Merde, j'ai fait dessus. Bon. Seule réparation. Copy. Ah ouais, dis donc. C'est joli, c'est marrant. Ouais, c'est mousselé. Pour la prochaine passe, t'écris ton nom. Y'a qui c'est qui est sur la piste? Ah bah c'est le 2000. Ouais. Oh, fallait le dire. Oh, bouge pas. Ah, yes, t'es posé, on va pouvoir t'astiquer là. Voilà. Wow. Après, je vais partir en fumée. On va aller là se mater.
Quand j'ai donné le... Je veux pas dire, mais Nexu, lui, il veut pas se mater, il veut astiquer. Non, mais c'est... Ah, ça doit être l'âge qui fait ça, je pense. Ouais. Non, démanger, garçon. Il veut changer de manche. Ouh. Bah, bravo. Oh là, ça vient de tous les... Il y a de la fumée dans tous les sens. Oh, le bruit que ça fait, la vue. Ah, ça fait du bien, je me sens ça, ça fait de gros impact quand même, la 12. On dirait pas du canon de prente. Ah, je me sens beaucoup mieux. Apparemment, vous m'avez refait à l'autre côté. Après, j'ai pas vu de tir qui m'ont touché directement, donc je sais pas si c'est pas qui m'ont touché, du coup. Y'a pas quelqu'un qui disait que ça se fait pas, c'est quelqu'un qui, a... qui est posé. Si, mais je... un partout, la balle est au centre, quoi. Bah oh, voilà, un partout. Enfin, ça va faire deux, hein, pour le coup. Je prends de la danse. La page de fumée. Oh la vache. Oh, oh qu'est-ce qu'il me met. Ça a l'air résistant quand même. Hein. Enfin, ça se trouve, je peux pas. Non, mon hauteur. Ah, si, je crois que je commence à fumer. Ça fume. Est-ce que je peux décoller comme ça? Ouais, non, les roues vont me gêner. Si au moins ils pouvaient réparer les roues. Ah, bon. Le fermier. Hop, on y va, c'est parti. Oh là là, je suis assourdi. Oh là là, c'est exactement. Oh là là là, je suis tout emmené moi. Bah c'est le mur du son. Je sais pas si c'est pour la... on peut se faire réparer avec le moteur allumé ou faut l'éteindre? Ah non, faut l'éteindre. Ah. Je connais pas trop la procédure par, bonne pour le mirage, pour bien éteindre. Et ils arrêtent pas, hein, ils continuent. Ah, là je crois que j'ai perdu un truc. Étrangement, l'avion pourchouille un peu. Oh, la gueule du réacteur. Oh, P51-1-2000. Ok, d'accord. Et je retiens, je garde mes missiles pour la prochaine. Ah, je me doute bien, t'inquiète pas. Et j'ai même pas de doute là-dessus. Oh, allez, il continue. Oh, ah, merci, tu m'as. Oh là là, il m'est rentré dedans, t'es sérieux. Celui-là, il s'écrase. Ouh, je fais. Bon, bah, ça, c'est un VF que je fais pas deux fois. Qui c'est qui a tiré, qui s'est écrasé sur toi? Je sais pas. Moi, je dirais Nexu. Moi, je dirais Viri, mais pas sûr. Hein. Non, Nexu, ouais. Je pense que c'est Nexu. Nexu s'est écrasé. Je pense que c'est Nexu, puisqu'il y avait déjà des impacts de. Mais étrangement, ça dit qu'il s'est écrasé au même instant que moi. Les hélicos, ils sont loin aussi, ou pas? Oui. Ouais, bah c'est vrai que je les sorte. C'est encore plus long. Pour être totalement franc, je vous avouerai que d'ici 5 minutes, je vais fermer le serveur. Ok, bon, je vais être clair. Je te rassure. Moi, ça va être les yeux. Si demain matin, je m'en lèverai. Ah, dommage, je n'ai pas d'autres trucs. D'autres modules. Et un peu plus proche. Ouais, mais je vais les rapprocher. Pour les prochains... Ouais, 2 heures pour un voisin, comme ça. Ouais, ouais, je vais faire ça. On est pas directement à se mettre dessus, et puis si on veut se voir, c'est rapide. C'est ça. Y'a qui reste ce soir au moins ou pas? Pour faire des petits vols encore comme ça? Ouais. J'ai en quoi? J'ai envie de sortir mon MiG là. Je passe celui-là. Non, moi j'ai. En avion j'ai que Mirage. Ouais, pour sortir ton Mirage, tu veux? Oh, faut que je sais pas vu l'heure. Je pense que. Faut que je regarde l'heure parce que hier j'ai quand même fait assez tard. Hein. Ouais, non, je crois que non, moi je dirais tôt. Ouais, clair, moi. C'est couché très tôt pour une fois, genre 7h. Ah, il est déjà bientôt minuit, je pense que je vais arrêter là. Ouais. Oh, qui c'est que j'ai croisé? Bon, ça fait court, mais à refaire. Ben ouais. La bonne soirée. Avec plaisir. T'en as pris quelques-unes, Monet, ou pas? Non. Ah, dommage. Je les ai vus passer. Ouais. Mais... Non, point touché. Et si tu peux rajouter une gazelle Mistral aussi? Oui. Ouais, parfait. Oh putain, je décroche. Oh putain, je décroche. Ouh, je l'ai rattrapé. Pilot. Je sais pas comment tu fais pour rattraper quoi, parce que... Ah bah, faut anticiper. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est bon ou on l'est pas. Mais quand tu feras de l'hélico, tu comprendras ce que c'est d'anticiper. Tu seras grand.
T'auras du poil au menton. Qu'est-ce que c'est naze comme expression. Je te jure. J'ai vu une tache noire, mais je la vois plus. Alors, je ne suis pas noir. Ah putain, il y en a un derrière moi. Non, il est devant. Maintenant, peut-être, ouais. Vous avez pas honte de tirer sur moi comme ça? Il y a personne là? Ah bah si, il y a encore quelqu'un. Potrainer. Sam, tais-toi. Ah, il est là. Yes. Et non. Chier. Et pourquoi il y a des C-130 qui sont en vol, hein? Parce que dans la mission, j'avais mis, je crois, des ravitailleurs. Affirmatif. Enfin, j'avais mis des ravitailleurs, puis j'ai mis un peu de décor, donc... Peu d'avion qui atterrit, qui décolle. Plus j'ai mal au dos, reste. Ouais, c'est des casques qui sont mal. Oh, allez. Ouais, comme tu dis. Qu'est-ce que ça te fait, ma femme? Je dis que t'adores, tu vas prendre une gifle. Je le dis, tu la cherches depuis tout à l'heure. T'en as pas encore pris une cette année, ça va pas tarder. En même temps, l'année commence donc. T'as pas encore pas une. À prendre un coup de fouet. T'es où toi? Ah, modéliste, tu vas le perdre là. Hein. Ouais. Oh putain. Oh la vache. Oh c'est bon, j'ai décroché. Tu m'as fait décrocher. Ah tu m'as coupé l'aile. Ah bah oui, la là, vache. Oh. Ah ouais, là, c'est sûr que ça fait mal. Bon bah voilà, c'est sur ces belles images que... Ouais. On va se dire bonne nuit. Sympathique. Allez. C'était bien sympa, ouais.